Ma vision est sans doute personnelle sur l'histoire ou les apports de l'ergonomie, mais moi je lis clairement un début qui est dans l'arrivée de l'industrie, donc dans le cycle industriel et dans le taylorisme, c'est-à-dire dans l'adaptation ou dans des solutions d'adaptation qui soient dans la situation, c'est-à-dire qui permettent véritablement de parler du couplage homme-système. Et bon, effectivement, le taylorisme a été une des premières solutions ergonomiques, même si elle n'est pas celle qu'on retiendrait aujourd'hui. Et on a, jusqu'aux années 60, c'est-à-dire pendant 60 ans, en gros, dans le siècle passé, concentré le feu sur l'idée qu'on pouvait trouver des règles qui étaient stables de conception des situations. Le taylorisme en est une, mais on en a ajouté beaucoup, y compris les expériences d'Elton Mayo, sont aussi des modélisations universelles. L'idée étant, si on arrive avec la construction des connaissances en ergonomie à stabiliser le savoir, on aura un outillage de boîte à outils qui permet de construire universellement. À partir de Wissner, et vraiment là, on est français parce qu'il n'y avait pas d'équivalent ailleurs. On a commencé à douter de l'universalité des concepts. Les Américains, qui ont, d'une certaine façon, l'ergonomie anglo-saxonne, a eu beaucoup, beaucoup plus de mal à douter de ces concepts. Elle a abandonné cette idée que très récemment. La plupart des encyclopédies, jusqu'aux années 80-90, étaient des encyclopédies universelles. Et nous avions abandonné avec Wissner, avec de Montmolin, avec Le Plat, progressivement cette idée d'universalité. Ça a été de passer de l'organisation du travail matériel à une organisation du travail, disons, psychologique, comme on disait déjà un peu à l'époque, et qui était le début de l'ergonomie, c'est-à-dire comment est-ce que ça se passe dans la tête des gens. Et avec une... Et donc, pour savoir comment ça se passe dans la tête des gens, on ne peut pas se contenter, et ça a été aussi un progrès pour moi considérable, on ne peut pas se contenter de faire des tests. Ou de les interroger. Il faut avoir vraiment... Et la notion là de terrain devient très importante. Pour moi, je dois dire que la notion de terrain, l'analyse du travail sur le terrain... C'est l'étude locale qui fournit les solutions locales, parce que rien ne se duplique totalement. Et cette singularité de la situation nous a coûté l'impossibilité de publier, pas d'écoute mondiale. Et il n'y a que la complexité des situations qui a explosé le paradigme universel, qui a fini par faire évoluer les anglo-saxons vers un regard sur ce qu'on disait 30 ans avant, sur finalement cette approche particularisée. Évidemment, la distinction qu'on connaît bien tous, tout le monde, qui est celle de l'activité, qui est un pôle important dans l'ergonomie francophone et qui est beaucoup moins abordé du côté anglophone. Donc, nous, la variabilité, c'est notre tasse de thé. On adore la variabilité. Mais tous les gens qui viennent des modèles expérimentaux ont horreur de la variabilité parce que ça bousille les résultats. Et on ne peut pas prédire, développer une méthode claire, très figé au départ, dans un système qui a beaucoup de variabilité. Donc, nos rapports à la variabilité sont complètement différents. Dans les milieux dans lesquels on est à l'aise, sont complètement différents. Notre façon d'appréhender la méthodologie est complètement différente, parce que la méthodologie de terrain qu'on va développer en ergonomie du côté francophone, c'est une méthodologie qui va être évolutive. Donc, on est à l'aise avec des allers-retours. La rigueur est importante à l'intérieur de ça, mais on va le développer en contexte. Alors que du côté du modèle plus anglo-saxon, c'est une méthodologie qui se veut plus générale, qui se veut reproductible et qui a donc des propriétés qui sont presque indépendantes des terrains. Alors notre construction méthodologique et notre rapport aux connaissances et au savoir
et assez différent. Donc pour moi, c'est ça l'ergonomie dans ses évolutions. Alors est-ce que les anglo-saxons, et finalement, évidemment, on s'est lu réciproquement, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus rien d'universel ? Dans les situations, on ne serait pas très loin de le dire aujourd'hui. On a un certain nombre de savoirs quand même, on a des clés. Je ne serais pas aussi radical que pouvait l'être Alain Fisner ou Maurice de Montmolin. On a quelques clés, mais quand on est dans la complexité de la relation sociologique et de gouvernance, les savoirs universels sont très peu nombreux. Et donc, on est véritablement sur l'apport de l'ergonomie, c'est véritablement savoir extraire d'une situation qu'on découvre, non pas par application de savoir universel, mais par application de méthode universelle, une réalité locale. Et donc, c'est vraiment très différent entre recette et méthode. Il y a un grand écart, et je pense que c'est ça un peu l'histoire de l'ergonomie des 100 dernières années. Il y a eu un progrès qui était de dire non. Il ne suffit pas, par exemple, comme pour les tests, de faire une liste et puis dire, voilà, il sera à tel niveau, il sera à tel niveau, il sera à tel niveau. Mais il faut aller voir sur place le terrain. Le terrain a été pour moi l'essentiel de mon avancement, de savoir comment ça pouvait se passer. L'ergonomie, elle a toujours, dans sa racine, été convoquée par, dans son savoir, été convoquée par les entreprises qui l'achètent ou qui l'utilisent, parce qu'elle est capable de rendre le système plus performant en diminuant le nombre d'erreurs. Et il faut comprendre qu'on peut diminuer le nombre d'erreurs sans que pratiquement c'est d'effet sur la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau d'erreur, qui est, si je vois pas bien ce qu'il y a sur l'écran, je mets des mauvaises commandes, et dans un nombre substantiel de cas, ce qui se produit, c'est une mauvaise pièce. Et une mauvaise pièce, ça coûte de l'argent et c'est de la performance. L'usine ne va pas exploser parce qu'on a une mauvaise pièce, mais si 80% des pièces qui sortent sont dépareillées, ça va être très, très, très mal. Et ça a quand même été le centre de l'utilisation de l'ergonomie pendant très longtemps. C'est le défaut sur la chaîne, le défaut lié dans la situation, qui fait qu'on ne produit pas ce qu'on voulait produire. Alors, la nouveauté, effectivement, enfin, je pense qu'ils étaient quand même une nouveauté, c'est qu'on ne pouvait pas se contenter de faire des descriptions des caractéristiques de l'homme, de l'opérateur en l'occurrence, et de dire bon ben voilà, et puisque c'est comme ça, il suffit ensuite de lui donner des instructions et il n'y a qu'à les suivre, et ça ne marche pas en fait, et il faut donc aller voir sur place avec, en général on est à deux au moins, aller voir sur place comment ça peut bien se passer. Quand on regarde un opérateur, alors il y a ce qu'on voit, on peut le décrire, les méthodes d'observation, c'est utile, mais on est vite renvoyé à des problèmes. Il y a ce qu'on fait, ce qu'on voit, mais l'activité, elle n'est pas seulement dans ce qu'on voit, elle est aussi, qu'est-ce qui guide l'activité ? Pourquoi un opérateur fait telle chose et puis un autre fait une autre chose? Si on veut se rendre compte de ces différences, il faut aller un petit peu plus loin et essayer de découvrir quels sont les mécanismes qui règlent, ces activités. Quand quelqu'un apprend à conduire, alors, on va lui expliquer, il faut démarrer de telle manière, il faut pour mettre en route, voilà ce qu'il faut faire. On va lui découper sa tâche en un certain nombre d'éléments. Alors, à ces éléments vont correspondre des actions. On va lui dire, faut tourner il faut mettre la clé au bon endroit pour embrayer, il faut tourner dans tel sens, etc. Alors, au début, l'opérateur, il va plus ou moins se réciter ses consignes et puis faire le travail. Et puis, petit à petit,
Et c'est, les choses vont s'agréger. Alors, pour mettre en route, il y a toute une série d'actions qui vont s'automatiser, qui vont se faire sans qu'il soit obligé de se répéter la chose. Et puis, progressivement, il va élargir le champ de son champ de contrôle. Et au début, quand on lui parlera, il va être très troublé parce qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois, faire ce qu'on lui a dit de faire et puis écouter ce que dit. Et tandis qu'au bout d'un certain temps, quand il sera en train de conduire, il pourra en même temps avoir une conversation. L'activité humaine, c'est un flux d'interactions asymétriques avec un environnement, de l'acteur avec l'environnement. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est l'asymétrie. Asymétrique au sens où, finalement, l'acteur, le corps de l'acteur, il ne réagit qu'avec ce qui est cohérent avec son organisation interne. C'est-à-dire qu'il filtre, en gros. Là, par exemple, si je regarde quelqu'un en face de moi, il y a certaines de ses mimiques peuvent me faire réagir, d'autres... Finalement, la couleur de ses cheveux, ça, c'est pas mon problème. Éventuellement, ça fait partie du flux d'informations générales qui ne m'intéresse pas, disons. Donc, vous voyez, il y a toujours sélection en fonction de l'organisation interne à un instant donné. Pour moi, l'analyse du travail, je vais, disons, la définir par des verbes. C'est des verbes qui marquent des actions au niveau du travail réel et des travailleurs. Ce sont des verbes comme regarder, observer, découvrir, questionner, dialoguer, écouter, capter, enregistrer, et puis trier, analyser, synthétiser, construire une représentation ou un modèle du travail. Cette représentation ou ce modèle doit permettre aussi, encore des verbes, d'agir sur le travail, pour l'organiser, pour le transformer, ou l'adapter en vue du bien-être, la satisfaction et l'efficacité des travailleurs. À tout instant, dans de bonnes conditions, un acteur peut montrer, simuler, mimer, raconter, commenter son activité. Pour moi, la relation qui peut exister entre l'ergonomie et l'analyse du travail est multiple. Donc, c'est une relation qu'on va trouver à travers ces différentes visions. Il est clair que, d'une certaine manière, l'analyse du travail est passée en ergonomie, est passée aussi par une certaine forme d'étude du travail. Elle s'est inspirée de méthodes qui étaient prônées dans l'étude du travail, telle qu'elle était vue par les organisateurs du travail ou les experts des bureaux des méthodes, etc. Mais il faut toutefois différencier analyse du travail et analyse de l'activité. On peut considérer qu'il existe au moins trois regards différents sur le travail qui contribuent à l'analyse du travail. Tout d'abord, à l'origine, ce que le BIT, donc le Bureau international du travail, qualifiait d'étude du travail, qui est un peu une approche taylorienne du travail, une vision des organisateurs du travail, une vision classique des ingénieurs qui conduit à l'appréciation des temps, des mouvements, des questions d'ordonnancement, à la mise au point de méthodes de travail, donc l'organisation du travail dans laquelle l'homme est vu comme une composante au même titre que les autres ressources pour assurer, disons, la production. On est très éloigné de la vision de l'ergonomie, quoique c'est le BIPT qui a prôné cette vision de l'analyse du travail à travers cette étude du travail. Ensuite, il y a l'analyse du travail telle qu'on peut la définir, c'est-à-dire l'analyse des conditions de travail, c'est-à-dire l'étude du cadre dans lequel s'effectue le travail, l'examen du poste de travail et de l'environnement, l'examen des facteurs économiques, techniques, sociaux, qui contribuent à la vie du travailleur, mais aussi la situation, le contexte, les ambiances, les efforts, les besoins de l'entreprise, les plaintes, etc. Cette analyse du travail inclut aussi les questions de métrologie, c'est-à-dire toutes les mesures que l'on peut faire sur le poste de travail concernant, par exemple, le bruit, la température, l'humidité, etc. Enfin, troisième approche, c'est celle de l'analyse de l'activité. L'analyse de l'activité, elle se centre sur la dynamique de l'action située, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'activité en ergonomie? Eh bien, pour moi, l'activité rend compte de la manière dont l'homme parvient à maintenir un système en état de fonctionnement efficace, stable et acceptable pour l'organisation du système conçu par l'organisation elle-même.
L'activité va alors comporter les traces vérifiables de la manière dont l'homme gère les dysfonctionnements des procédures. À travers le temps, finalement, une pratique qui est en temps partagé avec tout un tas d'autres pratiques, ben, il y a une certaine cohérence, une certaine autonomie. Hein, c'est-à-dire qu'on peut étudier, par exemple, je peux étudier l'activité d'un compositeur de musique contemporaine en train de faire une œuvre. Ce garçon, il a tout un tas d'autres activités. Hein. Il fait des interviews pour la presse. Il dirige des choses. Enfin bon, il fait tout un tas de choses. Il a des enseignements. Il a ça. Mais il a aussi cette œuvre qu'il est en train de faire, qu'il reprend régulièrement, etc. Il y a une certaine cohérence, disons. Il y a aussi l'ergonomie dans l'analyse du travail à travers tout ce qui est la métrologie. C'est-à-dire, on va s'intéresser au contexte du travail, au poste de travail, aux caractéristiques physiques, par exemple, du poste de travail, voir en quoi ces caractéristiques vont avoir une incidence à la fois sur le travail et plus particulièrement sur le travailleur. Et donc, on va, d'une certaine manière, c'est une approche plus physiologique, enfin plus première, disons, de l'ergonomie, puisqu'on la qualifie d'une certaine façon de l'ergonomie physiologique. La physiologie du travail, c'est une physiologie qui concerne la partie dynamique de l'homme. Autrement dit, si on imagine le fonctionnement de l'organisme humain comme sujet principal de la physiologie générale, la physiologie humaine, le fonctionnement de l'organisme humain en activité, c'est le domaine de la physiologie du travail. Autrement dit, dans la recherche en physiologie du travail, on met l'homme dans une situation de l'activité intense ou moins intense ou plus intense, et on regarde les réactions de l'organisme humain par rapport à différentes contraintes qui agissent sur le plan physique ou autre sur cet homme au travail. Et donc, cette physiologie du travail concerne uniquement la partie de la physiologie, la partie que j'aurais appelée la partie dynamique. L'analyse de l'activité est une vision du travail, disons, qui est plus proche de l'ergonomie cognitive. C'est-à-dire, on va plus s'intéresser à ce qui se passe dans la tête du travailleur, de la manière dont il se représente les systèmes avec lesquels il doit travailler. On va essayer, effectivement, de capter des informations sur ces représentations-là et voir, disons, comment il peut agir, lui, sur son travail, disons, à la fois pour assurer son efficacité d'une certaine façon, aussi pour se protéger lui-même, disons, mais de manière générale, disons, pour maintenir un système en fonctionnement sans qu'il y ait de dérive. On pourrait dire que l'activité, elle dépend de deux types de conditions. Elle dépend d'abord des conditions qui sont liées à la tâche, c'est-à-dire l'activité va être différente selon la tâche à exécuter et selon le but qu'on donne à l'opérateur. Dans la tâche, qu'est-ce que c'est ? La tâche, c'est un but, et puis des conditions d'exécution de la tâche. Alors l'activité dépend évidemment de toutes ces conditions, mais l'activité, elle dépend aussi des caractéristiques de l'individu. Si l'individu a déjà une certaine expérience dans ce qu'on veut lui apprendre, bien évidemment pour lui l'activité va être plus facile, va être différente. Et au cours de l'apprentissage, l'activité va changer progressivement de nature, et elle va être plus rapide, elle va s'organiser éventuellement autrement. Et alors, en ergonomie, on va faire un usage important de ces distinctions. Hein. En particulier, il y a une distinction qui va être importante en ergonomie, c'est la distinction entre la tâche prescrite et puis la tâche effective. Ce qu'on appelle la tâche effective, c'est la tâche qui est réalisée par l'individu. Hein. Alors, la tâche prescrite, ça dit
ça a un rapport au but, aux consignes, aux instructions, à ce qui a été écrit, etc. Puis alors, ce qu'est l'activité, ben, le modèle de l'activité, en quelque sorte, c'est la tâche effective. La tâche effective, c'est ce qui correspond à la tâche réellement faite. Et alors, entre la tâche réellement faite et la tâche qui avait été prescrite, souvent, il y a une différence qui est importante. Et l'ergonome, cette différence est très, très essentielle à analyser. Pourquoi l'opérateur ne fait pas ce qui correspond à la tâche prescrite? Pourquoi il la transforme? Pour quelle raison? Alors, il peut la transformer parce qu'il l'a mal comprise, il peut la transformer parce qu'il n'a pas les moyens à sa disposition pour la réaliser, parce qu'il n'a pas les connaissances suffisantes, pas l'entraînement suffisant, etc. Quand je regardais la conceptualisation de l'activité qui était mobilisée, je pense à l'une de celles qui a le plus circulé, elle vient beaucoup de Faverges et d'Ombre d'âne. Hein. La tâche, c'est le quoi, et l'activité, c'est le comment, hein, les modes opératoires par lesquels... voilà. Ça, par contre, j'ai toujours trouvé que l'ergonomie était en deçà de sa pratique. Parce que dans sa pratique, il y a justement cette idée que les opérateurs, pour arriver à vivre et aussi même à faire ce qu'on leur demande de faire, ils sont contraints finalement de combler le fossé entre le prescrit et le réel, et donc d'être créatifs, quoi. Donc il y a dans l'ergonomie, comme pratique d'intervention, une sorte de pari sur la créativité des opérateurs. Et quand on regarde, si on définit l'activité simplement par le comment, je trouve qu'on est un peu en deçà de... Et voilà. Et moi, je trouvais dans les théories de l'activité... finalement une quasi-synonyme, synonymie plutôt, entre activité et créativité. Hein, cette idée que, qui est chez Vygotsky, hein, que l'activité, ça consiste à s'affranchir des dépendances de la situation concrète pour finalement recréer la situation concrète. Autrement dit, c'est une manière de, pas simplement de vivre dans un milieu, mais de créer du milieu pour vivre. Donc il y a cette dimension, j'allais dire... de l'activité qui n'est pas seulement le comment, là, mais qui est le pourquoi et même au-delà. Hein, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas un opérateur qui répond aux exigences d'une organisation, mais que les opérateurs ont leurs exigences venues de leur histoire, individuelle et collective, et que la tâche, ben, c'est aussi la réalisation de l'activité, pas seulement l'inverse, quoi. Et que, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer que les tâches se transforment, que les organisations ne soient pas simplement prescrites, mais recréées, réinventées... voilà, donc là, il y avait pour moi, je pense, c'est un peu le point de départ. Hein. Ce qui est fait, ça ne correspond pas toujours à ce que l'autre voudrait vous faire, et puis ce que soi-même, on voudrait faire. Il y a un écart. Les ergonomes le savent bien. Eh bien, beaucoup de comportements échappent à la prescription. Et que le travail prescrit n'est pas le travail qui va peut-être conduire au bout de ce que l'on attend que fasse la personne. Et c'est bien parce qu'il y a le travail réel, tel que se le redéfinit la personne qui travaille, que l'on peut, à un moment donné, quand tout fout le camp, assurer la continuité du service, la continuité de la production. Donc d'une certaine façon, il y a un jeu d'ajustement et de régulation dans l'élaboration de cette activité de travail qui dépasse, mais intègre l'ensemble des compétences et l'ensemble des savoirs, des connaissances qui sont portées par les agents eux-mêmes. L'analyse de la tâche, c'est une étape essentielle pour une investigation ergonomique. Je pense que Jacques Leplat avait bien souligné le fait que dans ce domaine, on étudie des situations qui sont non conçues par l'observateur, à la différence de la psychologie expérimentale qui va étudier une activité en créant une tâche qu'elle maîtrise parfaitement.
Et en regardant la façon, le comportement, enfin la façon dont la personne réalise cette tâche, ben, on va apprendre des choses sur l'activité, parce qu'on contrôle bien ce qui est fait. Alors, c'est évidemment pas le cas dans le domaine du travail, et donc la tâche est à découvrir, puisque nous ne la connaissons pas nécessairement, et on va voir pourquoi d'ailleurs, on ne la connaît pas très bien. Parce que, bon, le terme peut être pris dans deux sens. Il y a un premier sens qui est le plus courant. Bon, la tâche, bon, bah, c'est un but hein, qu'il faut atteindre dans des conditions particulières, des contraintes, etc. Par exemple, des contraintes de sécurité. On ne peut pas aller chercher du linge dans une machine à laver à 90 degrés. Alors, on met des contraintes pour que les gens n'aillent pas bricoler dans ces conditions-là. Et puis il y a un deuxième sens qui est celle d'une, auquel je tiens beaucoup, qui est celle d'une intention à protéger. C'est-à-dire d'un point de vue psychologique, une tâche, c'est aussi quelque chose qui est chargeant parce qu'il faut en mémoire avoir mémorisé ce but et ne pas l'oublier, entre guillemets. Donc la première définition, le but à atteindre, bah, c'est un peu souligner le caractère imposé de la tâche, mais la seconde définition, une intention à protéger, ça souligne un petit peu le fait que ce qui fonctionne vraiment, c'est la tâche intériorisée, c'est-à-dire on demande à quelqu'un de faire quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'il fait. Le prescrit a beau être d'une grande efficacité, de toute façon, il n'anticipe jamais complètement sur le réel, lequel le déborde toujours, et bon, cette histoire-là qui nous est commune, fait un peu notre ADN. Alors, les choses sont donc pas simples parce que les tâches vont être redéfinies par les opérateurs. On parle de la redéfinition et tout ça dans une perspective d'adaptation. Quand il y a des conflits entre buts et contraintes, eh bien, il arrive qu'on ait à redéfinir la tâche pour pouvoir quand même atteindre le but. Si je ne peux pas atteindre le but avec les contraintes de sécurité qu'on m'impose, mais qu'il est impératif de l'atteindre, eh bien, on va relâcher évidemment des contraintes, donc on va exécuter une autre tâche. Alors, c'est important de commencer l'analyse de la tâche par l'analyse de documents formels dans l'entreprise. Il y a souvent des mémoires de ce qui s'est passé, il y a des mémoires des consignes, etc. Mais il ne faut pas en rester là parce qu'on risque quelquefois d'être très surpris par le comportement. Quand on a automatisé les standards téléphoniques, je crois que les gens se sont vite rendus compte qu'on supprimait une fonction de communication dans l'entreprise, c'est que la standardiste ou le standardiste était à peu près au courant de ce qui se passait dans l'entreprise et le standard automatique, évidemment, ne remplissait pas ce rôle. Par conséquent, il y a eu de gros problèmes par ignorance de la tâche réellement exécutée par l'opérateur. C'est pour ça qu'on va effectivement distinguer cette tâche prescrite, enfin, ou telle qu'elle est prescrite, qui est souvent très mal définie, à une tâche effective, celle qui est réellement réalisée. Et à ce moment-là, je dirais, on enchaîne immédiatement sur l'analyse de l'activité. Parce que décrire ce que fait le but qui est poursuivi, les contraintes qui sont prises en compte, bah, il ne faut pas grand-chose pour arriver finalement à décrire l'activité. Alors, la tâche, évidemment, elle doit être vue du point de vue de l'individu et de ses compétences, c'est-à-dire que c'est clair que la même tâche, entre guillemets, prescrite, ne sera pas la même pour un débutant ou pour quelqu'un de très chevronné. Si je conduis une voiture et que j'ai deux semaines d'exercice de la conduite, ma tâche va consister considérablement à repérer où sont les pédales, les commandes, etc. Je vais par exemple regarder très près de la voiture et très peu au loin parce que je n'ai pas automatisé en fait ces choses-là. Et puis pour quelqu'un de chevronné, la tâche de conduite évidemment ne sera plus. Enfin, si elle impliquera forcément celle-là, mais elle sera aussi bien d'autres choses, l'anticipation, etc. Donc, en fait, le dernier point qui me semble important
à souligner sur l'analyse de la tâche, c'est que on dit l'analyse de la tâche. Alors même les psychologues sont tombés dans un panneau qui est que la personne réalise une tâche à la fois. La moindre analyse d'une la moindre situation de travail montre bien que il n'y a pas qu'une tâche qui se fait en même temps. D'où l'intérêt de savoir cette idée d'intention à protéger, c'est qu'il y a un empile, enfin il y a un parallélisme entre tâches et que il faut gérer en permanence le passage d'une tâche à l'autre. Le travail de secrétariat en fournit de nombreux exemples. Le nombre de tâches interrompues est assez impressionnant. Un contrôleur aérien doit gérer plusieurs conflits en même temps. Et tout cela, ça souligne l'importance d'analyser la tâche dans un contexte où il y a d'autres tâches à faire. On peut créer une situation merveilleuse où si on ne fait que ça, tout se passe bien. Mais dès qu'on fait quelque chose à côté, évidemment, ça va très mal. Un conducteur de véhicule... Il navigue en même temps qu'il conduit, il gère sa trajectoire, mais il réfléchit aussi aux directions à prendre, et c'est déjà du multitâche. Mais surtout, il y a, je crois, aussi du multitâche à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que on satisfait un but, certes, mais il y a des objectifs emboîtés, il y a des objectifs superordonnés. Et on attend aussi de l'opérateur qu'il sache sortir de la tâche qu'on lui a prescrite pour faire autre chose. À partir du moment où on est dans du non-prescrit, ça veut dire que soit on est dans du non-prescrit parce qu'on a mis en place un système de régulation de notre propre activité, soit parce que la prescription échappe, elle n'existe pas. Et on est dans ce qu'on a appelé, et sur lesquels on a fait quelques travaux, la notion de tâche attendue. Et cette notion de tâche attendue, c'est ce que l'on vous demande de faire sans forcément vous le dire officiellement. Mais elle est, cette notion-là, et notamment dans la problématique de la fiabilité des systèmes sociotechniques, elle est très importante, cette notion de tâche attendue, parce qu'elle laisse libre cours, bien sûr, à l'interprétation. Bon. Et l'interprétation, elle va se faire en fonction d'un certain nombre de repères externes, mais de repères que l'on a en soi, ses connaissances, ses valeurs, etc. Mais si ça se plante, si ça coince, s'il y a un bug, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on n'a plus la prescription qui va servir de référence à ce moment-là, et qu'on est dans l'interprétation, on peut toujours dire « Ah mais moi je croyais que ». Donc on est dans un système où le travail va se passer aussi à partir des croyances des uns et des autres. Et quand il y a un problème, la croyance, je suis désolée, mais la croyance, ça fait pas, ça fait pas preuve, d'accord ? La croyance, c'est une croyance. L'interprétation, c'est une interprétation. Et si on va très loin dans le développement de cette réflexion, se pose donc la question de la responsabilité. Et dans certaines catastrophes, la responsabilité, elle est diluée parce que les décisions ont été prises dans des univers flous. Elles ont été prises, ces décisions, dans un monde de tâches attendues, de tâches implicites. Donc au fond, en ergonomie, l'analyse de la tâche, bon, je crois qu'elle s'inscrit dans une démarche qui débute par l'analyse des contraintes du domaine de travail et qui s'enchaîne avec l'analyse de l'activité. Et elle consiste au fond à définir le but poursuivi par l'opérateur, les contraintes à respecter, mais plus tel qu'il les respecte que tel qu'on lui prescrit. Donc le but, il est effectivement en partie imposé par l'organisation, mais il est aussi redéfini par l'opérateur, notamment bon, pour résoudre des conflits entre but et contrainte. Les contraintes, elles sont de diverses origines, elles sont physiques, elles sont organisationnelles, mais l'opérateur peut en retrancher, en ajouter d'autres pour réguler sa charge, hein, l'efficience, le coût qu'on va mettre dans l'activité, qu'il soit cognitif, émotionnel ou autre.
Et comme je voudrais le souligner, l'opérateur n'exécute pas une seule tâche à la fois. Et il est extrêmement important de se mettre en contexte pour regarder cette tâche dans un réseau de tâches possibles, potentiellement parallèles. Et l'opérateur, en général, exécute plusieurs tâches à la fois. Et donc, il faut aussi s'intéresser à ce passage d'une tâche à l'autre qui est un point important. Il y a un enchaînement naturel entre l'analyse de la tâche et l'analyse de l'activité. Que dès qu'on commence à décrire la tâche du point de vue de l'opérateur, eh bien, on arrive forcément à l'activité. Maurice de Montmollin a également apporté à l'ergonomie sa capacité à reformuler et à formuler des pensée ergonomique qui était peut-être à l'époque foisonnante, mais peut-être pas explicitée de manière bien cadrée, bien posée. Et donc dans son grand talent à formuler des choses difficiles, mais à les formuler simplement et à les vulgariser, il a su établir des cadres d'analyse qu'il a diffusé dans ses ouvrages et qui sont devenus des cadres d'analyse extrêmement importants. Je pense par exemple à ce schéma tout simple, mais qui est probablement enseigné par nombre d'enseignants en ergonomie, qui est le rapport en miroir de la tâche et de l'activité. Je sais moi-même que je l'ai moi-même enseigné de nombreuses années, où les différents éléments de ce modèle sont à la fois une simple mise en schéma de concepts qui ont probablement été développés à la même époque par beaucoup d'autres, mais qui étaient présentés par Maurice de Montmollin de façon très pédagogique. En général, on réfère le début des théories de l'activité à l'âge d'or russe des années 20, quoi. Pour moi, c'est Vygotsky, bien sûr, c'est aussi Bakhtine. Curieusement, c'est Vygotsky, la psychologie, et Bakhtine, la sémiotique, ou la linguistique, mais enfin plutôt la sémiotique, quoi. Et bien que ces deux auteurs aient en fait peu de rapports, explicites même entre eux, ils se sont cités une seule fois, je crois, et encore que dans un seul sens, au fond, ils ont un peu mis en place le périmètre à partir duquel on peut dire qu'à cette époque-là, sur la base, je pense, de la philosophie allemande, je ne vais pas remonter jusqu'à là, mis au fond, au point, une sorte de conceptualisation de l'activité qui a beaucoup varié, mais qui personnellement m'a effectivement beaucoup inspiré, quoi. Alors si je veux le dire un peu vite, j'ai toujours été frappé par le fait que l'ergonomie référait beaucoup à l'activité, à partir d'une pratique d'intervention en entreprise, quoi. Très forte. Et par contraste, le fait que la théorie de l'activité en ergonomie n'est pas si développée que ça, quoi. Et j'ai toujours eu l'impression, dans le dialogue que j'ai avec les ergonomes, ce qui est déjà une première manière de définir le rapport entre psychologie du travail et ergonomie, j'ai toujours eu un peu l'impression que la pratique de l'ergonomie était beaucoup plus riche que la conceptualisation qu'elle faisait des théories de l'activité. Et par contre, j'ai toujours eu l'impression inverse, c'est-à-dire que la psychologie, même du travail, mais la psychologie tout court, quoi, y compris celle d'inspiration russe, était portée beaucoup vers la théorie et avait une certaine difficulté, finalement, à mettre à l'épreuve cette conceptualisation de ce qu'on pourrait appeler des méthodes d'intervention dans la société de manière générale, et encore plus sur le travail. Parce que toutes les théories de l'activité venues de Russie dans ces années-là, elles sont en général assez loin de la question du travail. Voilà. Et finalement, comment définir l'activité? Je l'ai fait un peu, hein, en disant c'est donc finalement la subordination du contexte
et pas simplement la subordination des sujets dans le contexte. En anglais, parler de activity, c'est, ça fait un brin vieillot. On parle évidemment de behavior pour le comportement, et en général, on mélange un peu tout là-dedans. Les Français, les francophones en tout cas, ont l'habitude de distinguer entre le comportement qui est visible, mesurable, observable, etc., au cours de l'exécution d'une tâche, et puis de considérer que bon, l'activité, c'est plus que ça, c'est non seulement ce qu'on voit, mais c'est aussi une part implicite. L'ergonomie de l'activité, c'est une invention qui, comme j'ai appris récemment, serait une invention francophone. Alors, moi, j'étais très étonné quand j'ai appris ça, parce que mes premières expériences ergonomiques, c'était un livre qui était édité en 1952, écrit par un Écossais qui s'appelait McCormick, et qui s'appelait d'ailleurs pas ergonomie, mais anthropologie ou non, anthropotechnique. Et dans ce bouquin, McCormick décrit la tâche prescrite et la tâche réelle. Et donc, il dit que l'essentiel de l'ergonomie, c'est la distinction entre ces deux tâches, la tâche qui est donc donnée à réaliser et la tâche qui est réellement réalisée, donc l'activité réelle. Or, je pense que cette distinction est une des distinctions principales et essentielles de l'ergonomie en général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer l'ergonomie sans cette distinction, parce que toute observation montre que justement l'homme ne réalise pas la tâche selon la prescription exacte, mais selon ses vœux, selon ses goûts, selon ses préférences et selon ses capacités, bien entendu. Donc cette distinction entre la tâche prescrite et l'activité réelle existe dans toutes les ergonomies possibles du monde. Et je n'ai jamais compris pourquoi on devrait distinguer les ergonomies en fonction de la langue dont ils s'insèrent. Je pense que les langues sont tout à fait secondaires. On peut très bien se servir de l'ergonomie en russe, en polonais, en français, en allemand, en anglais, sans aucune distinction de langue. Et ce qui distingue l'ergonomie, c'est le contenu. Or, le contenu, à partir du moment où nous admettons que l'ergonomie est une discipline scientifique, ne peut être que scientifique. L'ergonomie francophone en Colombie et en Amérique latine réellement a prendre l'intérêt, l'attention de beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes qui sont intéressées pour comprendre, apprendre l'ergonomie de l'activité. Mais il y a une situation un peu dure pour les personnes. Oh, toute l'information est en français. Et moi, je parle espagnol, alors il y a une barrière de langue. Alors ça, c'est une première situation difficile pour les personnes. Beaucoup de personnes écoutent que méthodologie du travail, l'ergonomie francophone, et quels sont les sujets, les questions pour donner les services, et la demande des services, et tout ça, les réfléchis que fait l'ergonomie. Et la population est intéressée, les personnes des entreprises sont intéressées pour les services, mais pour apprendre, c'est une autre chose. Parce que l'information écrite est un accès difficile pour nous, par exemple. Et la barrière de langue, l'autre chose, et comprendre la situation du travail en relation avec le plus facile de la normative. Et alors, c'est un peu difficile pour les personnes d'intérioriser tout ça. Parmi les nombreux apports de Maurice de Montmollin à l'évolution, à l'émergence de l'ergonomie, un autre est à citer qui concerne sa capacité à aller pénétrer le monde anglo-saxon, les productions et les publications anglo-saxonnes, et à les introduire dans le monde francophone. Dans les années 1970-80, encore peu d'ergonomes francophones étaient intéressés et attirés par l'ergonomie anglo-saxonne. Maurice de Montmollin a beaucoup œuvré pour
importé, si je puis dire, des pensées du monde anglo-saxon qui pouvaient être utiles au monde de l'ergonomie francophone. Et il a notamment été l'un des premiers à montrer que la complémentarité entre le cadre de pensée de l'ergonomie dite francophone ou bien de l'ergonomie dite de l'activité, qui a toujours été développée, en effet, à partir du monde francophone, était un cadre très intéressant et très utile, évidemment très nécessaire, mais que, pour autant, il ne fallait pas négliger les apports de l'ergonomie des facteurs humains, c'est-à-dire l'ergonomie du monde anglo-saxon, telle qu'elle était notamment pratiquée en 1980. Et cette capacité à aller chercher les apports d'une communauté qui n'était pas tout à fait qui n'était pas encore très en prise avec le monde de l'ergonomie francophone a été un apport important. Maurice de Montmollin a beaucoup fait, me semble-t-il, pour que ces deux courants ergonomiques ne se tournent pas le dos, mais au contraire, considèrent mutuellement leurs points positifs. Il était notamment très intéressé par les lectures anglo-saxonnes et évidemment, le monde anglo-saxon lui a bien rendu. C'était un des rares contributeur de l'ergonomie francophone dans les années 1980-90 à être cité outre-Manche parce qu'on connaissait en fait ses productions, on l'avait entendu, il avait été invité dans des conférences aux États-Unis et il était donc un trait d'union important entre l'ergonomie dite de langue française et l'ergonomie des facteurs humains anglo-saxonnes. Une série de recherches sur le temps considère cette variable comme une variable contenant l'activité, c'est-à-dire un élément qui détermine le moment où cette activité va se dérouler, sa durée. Donc on est là dans la dimension linéaire du temps. Mais il y a une autre dimension du temps liée à cette dimension linéaire qui est la dimension cyclique, qui renvoie au rythme biologique. Comme le sommeil qui a été à l'origine de mon entrée dans l'ergonomie, mais aussi rythme psychologique. Donc une des questions auxquelles j'ai essayé d'apporter quelques éléments de compréhension a été de savoir est-ce que ce temps linéaire contenant de l'activité est compatible avec le temps cyclique relatif au rythme biologique, au rythme psychologique. Donc on est là spécifiquement dans l'étude des horaires de travail atypiques, le travail posté, le travail de nuit, auquel Yvon Kenec a largement contribué et d'autres encore. Sur la question des horaires atypiques et plus spécifiquement sur la question des horaires de nuit, un axe de recherche est centré sur les régulations mises en place par les opérateurs et les opératrices la nuit au moment de la baisse de vigilance, pour faire face à cette baisse de vigilance et atteindre les objectifs de travail. Ces travaux ont été mis à jour depuis de nombreuses années. Yvon Kenec fut un des premiers à montrer que les variations circadiennes de la vigilance avaient un impact sur la façon de travailler. Il montre dans l'industrie que les contrôleurs de processus ont une activité de prise d'information au cours des 24 heures qui suit la courbe de vigilance, avec un maximum de prise d'information en journée et un minimum la nuit, alors que la production reste stable. Une autre série de recherches va considérer le temps comme élément intrinsèque de l'activité, lié à l'activité elle-même. Alors je veux parler là des éléments qui vont, par exemple, fragmenter l'activité, qui vont assujettir l'opérateur à une cadence du fait qu'il dépend d'un appareil, d'un dispositif technique ou d'une organisation. Je veux aussi évoquer la question de l'urgence, qui devient quelque chose de permanent, quasiment permanent, dans certaines situations de travail. Tout l'objet des recherches méthodologiques en psychologie revient évidemment à essayer de faire
émerger cette partie implicite de diverses manières. Il faut voir à chaque fois, on essaye de travailler et que ça aille un petit peu mieux, mais les méthodes ne sont pas standardisées. Et c'est quelque chose qui est... Et c'est toujours une tentation de pouvoir dire, notamment lorsqu'on veut former à l'ergonomie, de dire, ben voilà comment il faut faire. Les problèmes de formation de les ergonomes, c'est des gros problèmes, parce qu'on ne peut pas leur transmettre des encyclopédies. Se planter sur le terrain, vraiment... C'est pas évident du tout. Il n'y a pas de méthode. Enfin, moi, je n'en ai pas connu. Ou alors, c'est une tentation dangereuse que de dire, mais oui, voilà comment on va faire. Et puis, vous n'avez plus qu'à faire comme ça. Et du coup, on retombe dans la tentation de décider pour les autres. Il y a plusieurs méthodes. C'est clair que si on s'intéresse à des activités dites symboliques, c'est-à-dire qui portent sur des représentations qui nécessitent de la mise en œuvre de processus interprétatifs, c'est sûr que, bon, peut-être que pour l'enfant, n'est-ce pas, voir un feu rouge n'évoque pas immédiatement l'arrêt, et donc il va apprendre que... En général, quand on met la couleur rouge, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Donc, c'est pas la couleur qui est traitée, mais bien sûr sa signification. Et ces activités symboliques sont faciles d'accès, enfin, relativement faciles d'accès avec la verbalisation. On va demander aux gens, par exemple, bah, dites-moi un peu tout ce qui vous passe par la tête pendant que vous exécutez cette tâche, même si ça vous paraît décousu, sans rapport avec la tâche, bon, les gens vont raconter des choses. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que s'ils n'avaient rien à raconter, ils feraient exactement de la même manière. Il y a des problèmes de validité, parce que quelquefois, même pour des activités symboliques... Parler en même temps, ça peut être désastreux. Je pense que des tâches de navigation en automobile, c'est assez difficile d'en parler tout en faisant. Enfin, bon, on peut déstructurer un peu l'activité de navigation. Puis, il y a des activités qu'on pourrait qualifier donc de sub-symboliques, c'est-à-dire qui... pourquoi dessous ? Parce qu'on pense qu'il y a une hiérarchie de nos cellules nerveuses, n'est-ce pas ? Et qu'on en a certes jusqu'au bout des doigts de pied, mais bon, il y en a qui sont plus dévolus aux activités symboliques et qui seraient là-haut dans le cortex. Mais il y a des centres de contrôle un peu plus bas qui ne nécessitent pas le recours à ces activités symboliques, comme par exemple dans les activités de contrôle sensorimoteur. Bon. Si je veux changer de vitesse et que je suis un peu expérimenté, bon, je peux commencer à réfléchir, il faut que je débraye, il faut que je ralentisse, il faut que je relève le pied de l'accélérateur, que je débraye, que je change ma vitesse, que je rembraye en accélérant. Je ne vais pas penser à tout ça de façon extrêmement... C'est important, les activités symboliques sont discrètes, elles découpent. Et elle coupe le lissage de l'action. Et effectivement, si on y pense à ce changement de vitesse de façon décomposée, ben on n'arrive pas à le faire. Parce que, en fait, il y a une dynamique du mouvement des deux pieds et des mains qui doit être satisfaite. Hein. Le questionnaire, du moins celui présenté aux personnes, va permettre donc à ceux-ci d'exprimer directement un certain nombre de choses. Le questionnaire a l'avantage de la formalisation et du nombre. On peut interroger un grand nombre de personnes, toutes dans une entreprise ou un atelier s'il le faut, et clairement leur faire comprendre ce qu'on attend qu'ils nous communiquent comme information sur leur travail, sur leurs conditions de travail ou sur leur activité. Ça donne le sentiment à chacun aussi de pouvoir s'exprimer, et non uniquement à ceux que l'ergonome a choisi pour faire ses observations. Donc il y a un côté généraliste, disons, du questionnaire. Il y a bien entendu un travail très important préalable, disons, de construction du questionnaire. C'est clair que ça fait appel à une certaine compétence. On ne fabrique pas comme ça un questionnaire sur une base intuitive et sur un coin de table. Donc, le questionnaire donne une vision, disons, par les statistiques, de l'ampleur des problèmes ou de l'importance relative de certains aspects du travail dans l'analyse qui en est faite.
Les petits outils qui servent qui ont servi au relevé d'observation étaient d'abord très rudimentaires, c'était des claviers. Ensuite, ça a été des écrans tactiles sur lesquels on pouvait donc plus facilement coder tel ou tel événement en ayant défini une grille appropriée. Maintenant, tout ça est dans la mesure où on peut utiliser des ordinateurs qui sont des petites tablettes qui sont aussi pour l'instant par exemple des ordinateurs Windows, on va pouvoir on a pu intégrer les parties relevées en situation réelle dans le logiciel lui-même, de manière à ne pas avoir plusieurs appareils, plusieurs logiciels à développer en parallèle. Voilà. Donc maintenant, le logiciel, il intègre à la fois le relevé in situ, à partir de grilles de saisie graphiques conçues par l'observateur, ou qui sont faites automatiquement, il y a le choix. Ça intègre aussi des outils de dépouillement vidéo, et ça intègre aussi les outils d'exploitation de ces données. Donc, en fait, on va accéder à ces activités, bien sûr, avec des modes d'accès assez différents. C'est vrai que de nos jours, l'imagerie médicale nous donne des méthodes tout à fait excitantes quand on sait interpréter les choses. Par exemple, l'IRM, la résonance magnétique, qui permet quand même, au cours de l'exécution d'une tâche, de voir un peu le parcours de l'excitation neuronale qui est déclenchée. D'avoir quelques idées sur le fait que, ah bah oui, là, il a dû probablement planifier, parce qu'on commence à reconnaître des patterns de ce genre. Mais on peut aussi donc utiliser des méthodes moins invasives. L'EEG est utilisé, les potentiels évoqués est utilisé, puisqu'on pense même à l'utiliser pour que des handicapés ou même des gens moins handicapés puissent commander des ordinateurs grâce à des interfaces cerveau-machine qui iraient directement du potentiel évoqué à la commande. Mais bon, dans les activités sensorimotrices, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont à dominante visuelle, puisque l'humain, n'est-ce pas, a quand même un système visuel particulièrement prioritaire sur tout le reste. On ne croit généralement que ce qu'on voit, moins ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Et du coup, l'analyse des mouvements oculaires par divers procédés permet aussi d'accéder, grâce aux prises d'informations, par exemple en conduite automobile, on va largement utiliser l'exploration visuelle comme un élément important pour comprendre, pour modéliser la gestion de la trajectoire, etc. Une des méthodes qu'on va utiliser en ergonomie, c'est la technique en fait, de l'analyse des mouvements oculaires. Qu'est-ce que c'est en fait cette technique? C'est qu'on va essayer de savoir où les gens regardent, parce qu'en fait quand les gens regardent, ils prennent de l'information à l'extérieur, ils la traitent, et c'est souvent lié à l'activité qu'ils ont. Alors le fonctionnement de cette technique, en fait, c'est que ça consiste à regarder, enfin filmer l'œil. Par réflexion cornéenne, c'est une technique un peu particulière, on arrive à savoir en fait où la personne regarde, soit sur un écran d'ordinateur, soit à l'extérieur en fait. Prise d'informations par exemple en conduite automobile, qu'est-ce que les utilisateurs ou les conducteurs vont aller chercher comme information, qu'est-ce qu'ils vont regarder à l'extérieur du véhicule ou dans le véhicule, mais on fait la même chose avec les sites web. Par exemple, le concepteur qui va devoir dessiner un menu, il va se poser la question de savoir combien je peux mettre d'options dans un menu. Comment est-ce que je dois organiser en fait les options? Comment est-ce que je dois montrer cette organisation graphiquement? Est-ce que je vais mettre un trait? Est-ce que je vais réduire l'espace entre les options? Toutes ces questions-là, normalement, on y répond, non pas par « je pense que », mais par des études en fait qu'on va faire. Les résultats de ces études, on va les compiler, on va en faire des recommandations ergonomiques, et parfois le nombre de recommandations peut être tellement important qu'on va essayer aussi d'organiser ces recommandations. Quand on les organise, ça donne des dimensions, qu'on va appeler parfois des critères ergonomiques, c'est ce qu'on a fait, ou parfois, on va appeler ça en fait des normes, qui sont d'autres dimensions, mais qui couvrent plus ou moins
les mêmes connaissances issues d'études expérimentales ou de bonnes pratiques, c'est-à-dire des choix de conception qu'on a fait, mais qui s'avèrent être de bons choix de conception du point de vue de l'interaction humain-ordinateur. Alors, titre d'exemple, je peux vous présenter une expertise que j'ai réalisée en 2010 concernant la question, est-ce que le panneau photovoltaïque installé autour de l'aéroport pourrait éventuellement provoquer un éblouissement des pilotes d'avion. Donc la question était posée très clairement, et pour y répondre, eh ben, il fallait être quand même le plus objectif possible. Donc ce qu'on a fait, on a fait les mesures de luminance dans les cockpits de l'avion, en l'occurrence c'était le cockpit d'hélicoptère, parce que c'était plus facile à organiser, et on a fait en même temps une étude des stratégies visuelles de pilotes pour savoir ce qu'ils regardent justement de côté panneau ou pas, est-ce qu'ils sont obligés de regarder ou pas. Et on a utilisé le matériel moderne de ce qu'on appelle Mobileye, je ne sais pas si on peut le citer, et en tout cas matériel de type eye tracking, de type d'étude de stratégie visuelle. Et on a pu définir très clairement qu'est-ce qui regarde les pilotes pendant la phase d'atterrissage? Quelles sont les zones du champ visuel fonctionnel vraiment sollicitées? Et après, quels sont les niveaux d'éblouissement, donc les niveaux de luminance provoqués par les panneaux photovoltaïques? Et donc, les résultats de cette étude étaient très clairs et très nets. Et on a eu absolument aucune discussion sur les résultats, tellement ils étaient vraiment tranchant. Donc, les panneaux qui étaient éblouissants ont été éblouissants, les panneaux traités anti-éblouissement n'étaient pas éblouissants du tout. Donc, c'est quand même des résultats qui ne peuvent être obtenus autrement que par la métrologie. Quelle relation il peut exister entre l'analyse du travail et l'action au niveau du travail? C'est clair que cette action peut prendre des formes différentes. Agir sur le travail, c'est d'une certaine façon l'adapter. Hein, disons, là, on va retrouver la définition originale de l'ergonomie, puisque je rappelle que dans les années 50, l'ergonomie avait comme définition l'adaptation du travail à l'homme. Donc, ce n'était pas la transformation du travail pour l'homme, mais bien l'adaptation du travail à l'homme. Donc, c'était une forme d'action, disons, sur le travail, en fonction de ce qu'on savait à la fois de la nature du travail en tant que tel, mais principalement aussi en fonction de ce que l'on connaissait, disons, des caractéristiques de l'homme, tant sur le plan physiologique que un petit peu sur le plan du traitement de l'information qu'on a appelé après sur le fonctionnement cognitif. Le travail mental, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement l'activité qui consiste à traiter de l'information en perception, mémorisation, représentation mentale, etc. Quand en ergonomie on étudie le travail mental, c'est souvent en termes de charge mentale, à savoir les contraintes particulières qui vont s'exercer sur ce travail mental. Les contraintes peuvent elles-mêmes ne pas être mentales, par exemple, peut être une contrainte de temps, ça peut être une contrainte d'environnement comme le bruit, comme une condition de chaleur excessive, etc. Mais la contrainte va s'exercer sur l'individu qui fait ce travail mental en l'empêchant, en diminuant ses ressources et ses capacités, qui sont d'ailleurs limitées, de traiter l'information. Le modèle du canal unique, lui, renvoie à la séquence de traitement des informations lors d'une exigence particulière qui mettrait en jeu plusieurs tâches qui arrivent en même temps. Le canal unique, finalement, c'est l'engorgement du canal par des informations qui arrivent trop nombreuses et qui saturent le canal, d'où un déficit ensuite au niveau de la réalisation de la tâche. Donc la charge cognitive, c'est une quantification de l'effort mental réalisé par un individu lorsqu'il réalise une tâche. Donc cet effort mental
cette quantité d'efforts cognitifs qu'un individu mobilise pour réaliser une tâche correspond à la charge cognitive. Donc cet effort, ce coût de la tâche, il peut être, ce coût mental, il peut être faible, comme dans une opération du type 6 x 7 égale. Il peut être moyen, comme dans une situation où on va vous demander 42 multiplié par 72, où là on sent bien que mentalement vous allez devoir réfléchir un peu plus, vous concentrer un peu plus, faire un peu plus attention, peut-être même mobiliser les stratégies que vous connaissez. Et enfin, l'effort mental peut être très important, comme lorsque vous débutez aux échecs ou quand vous devez faire une opération du type 972 multiplié par 843, où là, l'ensemble des opérations à mettre en œuvre peut se révéler extrêmement complexe et tellement coûteux qu'au bout du compte, vous ne réussissez pas à faire la tâche que vous aviez envisagé de réaliser au début. Voilà, c'est ça la charge cognitive. C'est donc une quantification et pas une qualification. C'est-à-dire que dans la charge cognitive, on s'intéresse à la quantité d'efforts nécessaires à la réalisation de la tâche, au coût que ça représente, mais on ne s'intéresse pas à la nature des opérations réalisées. On essaye de voir l'activité cognitive comme une somme, comme une quantité. Et c'est ce qui fait l'intérêt et c'est ce qui fait la faiblesse de cette notion de charge cognitive. Quand on essaye de quantifier la charge cognitive, quand on essaye d'évaluer la charge cognitive, de caractériser le coût cognitif d'une tâche, on doit prendre en compte au moins 6 paramètres. Donc je vais présenter les paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est le nombre d'informations qui se trouvent dans la situation et les relations qu'il y a entre ces informations, c'est-à-dire à la fois la quantité d'informations à traiter et la complexité des relations entre ces informations. La deuxième source de charge, c'est le niveau d'expertise de l'individu. Plus un individu est expert dans le domaine de la tâche, moins la charge est importante. Alors que plus il y a d'informations dans la tâche, plus il y a de relations entre ces informations, et plus la charge est importante. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est la stratégie employée. Pour réaliser une même tâche, il existe différentes façons de faire, différentes stratégies. Et un même individu peut devoir fournir un effort important, faire une tâche coûteuse avec une stratégie A, alors qu'elle sera moins coûteuse avec une stratégie B. La quatrième source de charge, c'est la présence d'interférences dans la situation. Des interférences émotionnelles, des interférences dues au stress, des interférences dues à des perturbations sonores, à des interférences visuelles. La cinquième source de charge, c'est la proximité entre les traitements sensoriels, perceptifs, cognitifs de haut niveau que nécessite la tâche. Plus il y aura de proximité entre les différents traitements à mobiliser, et plus la charge sera importante. Enfin, le sixième facteur de charge, c'est l'effort consenti par l'individu, l'effort que l'individu est prêt à consentir. Ce que, paradoxalement, un individu qui est capable ou qui est prêt à fournir un gros effort va plus facilement se retrouver en état de surcharge qu'un individu qui baisse les bras dès que l'effort devient trop important. Et c'est donc en prenant en compte ces 6 paramètres principaux qu'on peut essayer de quantifier la charge cognitive. La charge physique de travail est pas très facile à définir car elle se compose de deux parties un peu distinctes. La première partie, c'est la partie extérieure, donc ce que dans le jargon ergonomique on appelle contrainte, donc le facteur qui émane de travail qui agit sur l'homme. Et donc cette charge physique, c'est le poids à porter, c'est les forces à appliquer, c'est la posture à prendre lorsqu'on a un siège incommode. Bon, celui-ci est quand même encore, bon, ça va. Et puis, donc toute cette partie-là, qui est générée par le travail, par les outils ou par la machine, c'est la partie physique de la charge physique. Maintenant, il y a l'autre partie, donc astreinte, donc la partie physiologique de la charge physique, qui est la réponse de l'organisme. Donc l'organisme répond par
le cœur qui commence à accélérer, par la respiration qui accélère, par la consommation d'oxygène qui augmente, ou par d'autres signes de l'activité de l'organisme, de l'activité physiologique, qui répondent à la demande de la tâche. Donc cette demande de la tâche, ça fait une partie de la charge, et la réponse de l'organisme, ça fait une autre partie. À titre d'exemple, si vous avez quelqu'un qui fait une balade en vélo, hein, et il aime bien la balade en vélo, il adore ça, c'est son violon dingue. Hein. Et puis un autre qui fait une balade en vélo parce qu'on l'a obligé. Il déteste le vélo, mais on l'a obligé. Comme par hasard, les deux ont exactement le même organisme, c'est-à-dire le même poids, même taille, même capacité physique. Donc leur organisme va réagir de la manière un peu semblable, pas totalement identique, mais semblable. Mais l'un va considérer que c'est une charge, et l'autre va considérer que c'est un plaisir. Donc il y a encore ce troisième aspect de la charge, donc aspect psychologique. Ce qui fait que lorsqu'on fait une analyse de la charge physique du travail, on distingue la partie contrainte, donc l'analyse de la charge physique, on distingue la partie astreinte, donc les réactions de l'organisme, on est plus fort, donc la même force fait moindre pourcentage de la force maximale, et puis on distingue encore la partie, ce qu'on peut appeler l'astreinte psychologique, donc le sentiment subjectif de la charge. Je déteste ça, donc pour moi c'est une charge. J'adore ça, c'est un plaisir, c'est tout à fait différent. La charge de travail, ce qui est difficile, c'est que comme par définition, c'est une mesure, une appréciation, une quantification du coût que représente la situation de travail pour l'opérateur, il est difficile de caractériser ce coût par une description de la situation elle-même. Autrement dit, il est difficile de décrire objectivement, c'est-à-dire en dehors du sujet humain, ce que c'est que la charge de travail. Autrement dit, pour décrire, estimer, évaluer une charge de travail, il faut prendre en compte la situation de travail, la tâche, les autres composantes de la situation, les interférences qui se trouvent dans la situation, mais aussi le sujet humain, quelle connaissance il a, quelle stratégie de travail il va utiliser, quelle démarche il va utiliser, quel effort il va consentir. Et c'est l'interaction entre ces facteurs externes à l'individu et parfois même externes à la tâche, et interne à l'individu, et c'est la relation aussi entre l'individu, l'histoire de la relation entre l'individu, la tâche et la situation de travail, qui fait la charge de travail. Donc c'est une situation qui ne peut pas, c'est une notion qui ne peut pas être qualifiée de façon objective, et c'est ce qui fait sa principale difficulté, et c'est ce qui a embêté les ergonomes, les médecins du travail pendant toute la première partie de l'histoire de ce concept. Les principaux facteurs qui sont impliqués dans la charge de travail. Il y a des facteurs qui viennent de la situation, qui viennent de la tâche, et des facteurs qui viennent de l'individu. Dans les facteurs qui viennent de la situation, on peut penser à l'effort physique, à la quantité d'effort physique à fournir, à la quantité d'effort mental à fournir, à des masses à soulever, des kilomètres à parcourir, que sais-je, etc. Mais on doit aussi, bien entendu, prendre en compte des aspects de la situation de travail qui ne sont pas des caractérisations de la tâche elle-même, mais des éléments qui se trouvent dans la situation et qui font que l'individu, alors qu'il est en train de faire la tâche, va être gêné par quelque chose qui se trouve dans la situation, une interférence sonore par exemple, une interférence visuelle, mais aussi une pression qui est mise par sa hiérarchie, des contraintes qui vont faire que, en dehors de la tâche, il y a tout un tas d'éléments qui vont impacter, qui vont influencer la charge de travail. Et enfin, les autres paramètres, c'est les paramètres liés à l'individu. Par exemple, une même tâche va représenter une charge très importante pour un débutant et une charge beaucoup moins importante
pour quelqu'un d'expérimenté. Une charge va représenter quelque chose de très important pour un même individu quand il est fatigué et beaucoup moins importante quand il n'est pas, quand il n'est pas fatigué. Quand on l'a vu très bien dans de nombreuses études, quand il s'épanouit dans son travail ou quand il ne s'épanouit pas dans son, dans son travail. Donc c'est bien des caractéristiques des trois aspects, la tâche, la situation et l'individu qu'il faut prendre en compte quand on essaie de qualifier la, et quantifier la charge de travail. Le temps comme facteur de charge de travail peut alors être un facteur qui crée de la pénibilité, parmi d'autres facteurs bien entendu. Et dans ce cas, on peut s'intéresser, en termes de pénibilité, si l'opérateur par exemple ne dispose pas de degré de liberté, de marge de manœuvre pour gérer ses contraintes temporelles, on peut s'intéresser aux effets que cela va avoir aussi bien sur sa santé physique que sur sa santé psychique. Le vrai enjeu dans une situation de travail, ce n'est pas de lutter contre la charge de travail. Ce n'est pas de diminuer la charge de travail. On a même des travaux qui montrent de plus en plus fréquemment que la sous-charge de travail n'est pas une qualité à rechercher. Il y a des individus qui souffrent au travail parce qu'ils sont dans des situations de sous-charge. Le vrai enjeu, me semble-t-il, c'est de diminuer la surcharge de travail. C'est-à-dire ces situations où ce que l'on demande à l'individu, les exigences de la tâche, les caractéristiques de la situation font que l'individu n'arrive pas à faire la tâche dans le temps qui lui est imparti. Ou alors il y arrive, mais avec des conséquences en termes de fatigue, de stress ou de nombre d'erreurs qui font que l'individu souffre et que la situation de travail est dégradée. L'évaluation de cette charge mentale pose plusieurs problèmes redoutables au niveau méthodologique. Faisant suite à une longue tradition, enfin une relativement longue tradition de charges physiques, en particulier musculaires, on disposait d'un certain nombre de théories, de certaines méthodes également, pour mesurer la charge physique qui se traduit par une fatigue excessive chez les travailleurs. Donc les premières investigations dans les années 60 ont été à peu près du même style et nous recherchions des techniques qui permettaient d'évaluer en quoi la capacité de traitement d'information d'un sujet est altérée par des contraintes. Hein, c'est la mesure de la charge de travail. Alors à cette époque, il y avait une technique qui était intéressante, que j'ai utilisée aussi, qu'on appelait la mesure de la charge ajoutée. Hein, le principe, c'est on ajoute une activité secondaire que le sujet doit faire, les deux ensemble viennent en concurrence, et en mesurant l'une, que l'on connaît bien parce qu'elle est facilement étalonnée, ça permet de comprendre un petit peu mieux l'évaluation. En réalité, nous ne l'avons pas fait pour le contrôleur aérien parce qu'il s'agissait d'observations sur le terrain, il s'agissait de simulations après plusieurs années de simulations également que nous faisions à chaud, il n'était pas possible d'augmenter encore la charge de travail des contrôleurs. Donc c'était une méthode qui était intéressante en soi, en laboratoire, mais qui ne s'est pas révélée utilisable dans le cas particulier des contrôleurs aériens. Donc ce que l'on avait fait en l'occurrence, c'était vraiment un ensemble d'observations très précises où l'on voyait que lorsque la charge réelle de travail, qui en l'occurrence, il y avait un indicateur, c'était le nombre d'avions à contrôler dans l'unité de temps, quand cette charge augmentait, eh bien, on voyait que le contrôleur, les contrôleurs, quel que soit leur niveau de qualification, modifiaient leur mode opératoire. Et c'est cette modification des modes opératoires que j'ai utilisé pour ma part comme indicateur de variation de charge mentale. Le modèle de la double tâche renvoie à la possibilité pour un sujet de réaliser deux tâches en même temps. Alors, il y a des tâches qui sont possibles. On peut marcher et parler en même temps. Cela dépend avant tout du caractère automatique non, c'est-à-dire contrôlé, de l'activité, des activités qui sont en jeu. Pour illustrer cette situation de double tâche, on peut faire référence à la conduite automobile et au fait de téléphoner lors de la conduite. On s'aperçoit, toutes les études montrent que le fait de téléphoner pendant que l'on conduit
altère la tâche de conduite. Du point de vue théorique, on se met quand même dans l'idée que la capacité de traitement de l'individu est limitée et que quand on arrive à un certain niveau, au-delà c'est la surcharge, cette surcharge a des conséquences pour l'individu. Si la surcharge est faible, on augmente la probabilité d'erreur. On ne fait pas forcément des erreurs en cas de surcharge, mais on augmente la probabilité d'erreur. Le sujet a peur de faire des erreurs. Donc ça crée une certaine angoisse, un stress, pour certains plus que d'autres, mais il y a toujours une sorte d'angoisse de faire l'erreur quand on pratique un métier à risque. À terme, il y a de la fatigue mentale. La fatigue, ce n'est pas la charge mentale, mais c'est à la fois une conséquence possible d'une surcharge mentale. Et à long terme, si ces surcharges deviennent permanentes, si l'individu travaille toujours dans une situation de surcharge, bien entendu, il peut en avoir des conséquences sur sa santé. Si on sait à peu près ce qu'est la charge cognitive, si on sait à peu près quels paramètres définissent la charge cognitive, on peut se demander maintenant comment mesurer la charge cognitive. Et effectivement, dès qu'on s'est intéressé à la charge cognitive, depuis une quarantaine d'années, on s'est demandé comment mesurer cette charge cognitive. Et en gros, il y a trois grands types de mesures qui sont utilisées. La première type de mesure qui a été développée très tôt, ce sont les mesures de performance. Tout simplement, on part sur l'idée que la charge cognitive augmentant ou la surcharge cognitive étant approchée, on va avoir une détérioration de la performance. Et donc on infère l'état de surcharge de la baisse de la performance. Le deuxième type de mesure, c'est la mesure de type physiologique. On a trouvé des corrélations plus ou moins directes, plus ou moins linéaires, entre certains indicateurs physiologiques, par exemple le rythme cardiaque, la dilatation pupillaire, etc., et la surcharge. Et en mettant en relation ces indicateurs physiologiques, on mesure la charge. Le troisième type de mesure, qui a été développé un peu plus tardivement et qui paradoxalement est sans doute un des indicateurs les plus utilisés aujourd'hui, c'est tout simplement la mesure subjective. C'est-à-dire qu'on demande à l'individu, après qu'il ait réalisé la tâche, ou pendant qu'il est en train de réaliser la tâche, de dire lui-même si cette tâche représente pour lui un effort important ou un effort trop important à fournir. Et ces trois types de mesures, je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'aucun des trois n'est satisfaisant tout seul. Aucun des trois ne fournit une bonne approximation de la charge cognitive, et c'est souvent en mettant en relation ces trois types de mesures qu'on commence à approximer la mesure de charge. Un bon exemple de la charge cognitive et des problèmes qu'elle pose, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. Tous les jours, nous lisons des documents sur le web, et la plupart de ces documents sont des hypertextes, c'est-à-dire que pendant que vous lisez, vous avez un lien que vous pouvez activer, vous pouvez cliquer sur un mot qui vous amène sur une autre page. Dans cette page, vous allez trouver un autre mot, voire trois autres mots, voire quatre autres, qui vont vous amener vers des pages différentes. Et donc vous avez une liberté de navigation qui vous permet de passer d'une infinité de pages à une autre infinité de pages à tout moment. Donc si on prend ça, au début on se dit, c'est extrêmement intéressant les hypertextes parce que chaque individu peut lire comme il le souhaite en fonction de ce qui l'intéresse. Mais quand on a regardé ça de près, on s'est rendu compte de quelque chose de très simple, c'est que l'individu, quand il lit un hypertexte et qu'on le laisse lire pendant une vingtaine de minutes, parfois même un quart d'heure, et qu'au bout d'un quart d'heure on lui demande « qu'est-ce que vous étiez venu chercher ?» dans cet hypertexte, quelle information recherchez-vous, quel but vous poursuiviez, la plupart des individus, au bout d'un quart d'heure, ne se souviennent plus du but qu'ils recherchent. Donc ça nous a intrigués, et on a regardé qu'est-ce qui se passait chez l'individu qui lit un hypertexte, et on s'est rendu compte de quelque chose de très simple, c'est que quand vous lisez un livre, vous avez très peu de décisions de lecture à prendre. Une fois que vous avez fini de lire la page 343, vous allez à la page 344, juste vous tournez une page. Donc vous avez une activité de lecture, de décodage du texte et de compréhension. Quand vous êtes dans un hypertexte, vous avez la même activité de lecture et de compréhension, mais vous avez en plus une activité de navigation, c'est-à-dire de prise de décision de quel lien vous allez activer, pourquoi vous allez activer ces liens, en quoi l'activité d'activation de ce lien et la lecture de la page suivante
sert le but que vous cherchiez au départ ou ne sert pas ce but. Et cette activité-là, c'est vraiment une activité en plus et ça génère une charge cognitive. L'interface, c'est le lieu où se focalise le plus grand nombre de problèmes des utilisateurs. Les utilisateurs vont abandonner un guichet parce qu'ils n'arrivent plus à interagir, vont acheter ou ne pas acheter telle ou telle technologie parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir y accéder facilement, ou bien vont se sentir exclus, parce que par exemple ils sont handicapés, de technologie, voire de droit à la citoyenneté, si on pense au vote électronique. Puisqu'ici, dans ce laboratoire dans lequel on est, on a réalisé des expériences sur les urnes de vote électronique en montrant notamment que des individus âgés, par exemple, ont des difficultés d'interagir avec ces machines, voire n'arrivent pas à voter dans certains cas. Donc l'interface, c'est le lieu essentiel qui va rendre le plus visible les problèmes d'utilisabilité, parce que c'est le lieu où il va y avoir cet échange entre le modèle mental du dispositif et le modèle mental de l'utilisateur, où on va mettre en perspective ou en interaction ces deux modèles pour voir s'ils sont compatibles, s'ils s'emboîtent l'un dans l'autre, ou si au contraire, ils sont complètement divergents et incapables de communiquer l'un avec l'autre. L'utilisabilité, pour faire vite, c'est la simplicité d'utilisation. Si vous voulez qu'un utilisateur comprenne votre produit, vous devez d'abord comprendre l'utilisateur. Il s'agit donc de faire des produits qui soient adaptés à l'utilisateur. L'utilisabilité, ça renvoie bien évidemment à un type particulier de l'ergonomie qui est l'ergonomie des produits. C'est-à-dire, on va faire en sorte que des produits soient simples, efficients, efficaces, agréables, sympathiques, conviviaux, etc., etc. Donc on va intégrer une partie de l'utilisateur, une partie de l'usage dans la conception même du produit. Il s'agit de savoir comment votre produit va parler à un utilisateur, il s'agit de comprendre qu'est-ce que vous voulez qu'une machine fasse pour un utilisateur, donc quel type de service elle va rendre, quel type de besoin elle va permettre de satisfaire. Et il s'agit également de comprendre quelle intelligence vous allez placer dans votre produit, dans votre machine, dans votre poste de travail, dans votre document, dans votre tableau de bord, etc., etc., pour faire en sorte que l'utilisateur trouve le produit agréable, facile, efficient, efficace. Donc l'objectif de l'utilisabilité, c'est finalement de faire rentrer l'usage dans le produit, ou du moins de rendre les systèmes compatibles avec un usage, si possible, le plus simple qu'il soit. Si on parle des outils qui permettent de faire la supervision de processus à l'interface entre les hommes qu'on met dans le système de supervision et puis ces objets d'ingénieurs qui sont les matériaux, ce qui est caractéristique, c'est que chacun, les hommes d'un côté, les ingénieurs qui ont fait les outils de l'autre, ont une idée de ce que va faire l'autre partie. Et donc, dans l'outil technique, il y a une vision de l'homme qui supervise. Et cette vision de l'homme, elle est souvent naïve, parce que les ingénieurs ne sont pas des ergonomes, ne sont pas des psychologues, et ils ont une vision assez naïve de l'homme. Donc, ils attendent un certain nombre de comportements qui sont bien inscrits dans la logique de la machine. Le premier travail d'un ergonome, c'est de comprendre les modèles qu'utilisent les ingénieurs sur l'homme et de comprendre, pour la partie psychologique, les attentes de l'homme sur un modèle technique qu'il n'a pas encore vu. Une fois qu'on a ça, et c'est un petit travail quand même de comprendre les modèles, parce qu'ils ne sont pas écrits explicitement, on ne les lit pas, ces modèles. Il faut aller d'une certaine façon regarder les ingénieurs travailler, regarder leurs produits de conception pour inférer ce que sont ces modèles et puis après le valider. Et pareil du côté de la psychologie. Donc une fois qu'on a ces modèles, il faut regarder tout ce qui finalement n'était pas imaginé dans ces modèles, mais qui est véritablement le modèle, pas celui des psychologues, pas celui des ingénieurs, mais le modèle de contact, le modèle de l'activité, le modèle de production, qui est vraiment le plus... Alors, une deuxième question intéressante, le plus efficace ou le plus sûr ? On aurait spontanément envie de dire, évidemment, les deux. La réalité, c'est que l'ergonomie s'est construite d'abord sur l'efficacité et pas tellement sur la sécurité.
qu'est-ce que c'est que la performance finalement d'un système? Qu'est-ce qu'on attend d'un système en ergonomie? Sachant que la spécificité de la discipline, c'est, et ça doit rester, cette volonté de tenir ensemble des questions liées à l'efficacité, la productivité, la qualité d'une certaine production, et des questions liées à la qualité du travail, du point de vue de la personne, le côté non délétère des situations, et ainsi de suite. Donc ces deux côtés, performance économique, on va dire, et performance du côté de la personne. On peut poser ça aussi en termes de performance. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Et note aussi, dernier point avant de rentrer dans l'idée d'environnement capacitant, quel est l'emprunt temporel dans lequel on se met? Est-ce qu'on garde quelque chose, une certaine immédiateté, on qualifie les situations telles qu'elles sont maintenant, ou est-ce qu'on regarde l'évolution de ces situations et parallèlement à ça, l'évolution des individus? Et donc l'effort que j'ai essayé de faire, c'était de mieux spécifier qu'est-ce que c'était cette idée d'environnement capacitant, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire en ergonomie. Et l'intérêt que j'y vois, moi, c'est que d'une part, ça rassemble un certain nombre de choses qui ne sont pas nouvelles en ergonomie, mais ça permet d'étendre le concept aussi. Alors, qu'est-ce que ça rassemble? On peut dire déjà un environnement capacitant, c'est un environnement qui n'est pas défaste pour les personnes. C'est à minima en ergonomie, c'est un environnement qui évite les accidents, qui évite les maladies professionnelles, et ainsi de suite. Bon. Chose pas du tout nouvelle, évidemment, dans la discipline. Mais c'est déjà préserver les capacités humaines, c'est déjà ne pas restreindre l'éventail des possibles. Bon. La deuxième chose, c'est que c'est un environnement que je qualifiais d'universel, c'est-à-dire c'est au sens où il ne peut pas non plus être excluant par rapport à certaines personnes, en fonction des inaptitudes qui ont pu être créées par l'âge, simplement, ou par des conditions de travail qui n'étaient pas forcément bonnes avant, ou par des handicaps peuvent être de naissance ou pas. Hein, bon, voilà. Et donc, il faut que les environnements de travail soient aussi accueillants, on va dire, que possible, permettent au maximum aux personnes d'exercer le mieux possible les capacités qu'ils ont en eux, en compensant éventuellement donc d'éventuelles déficiences. Et d'ailleurs, ce qui me frappe beaucoup dans ces dernières années, c'est à quel point des organismes qui se préoccupent du handicap, notamment en France, ont repris cette idée d'environnement capacitant, qui parle, qui est très parlante pour eux. Hein, finalement, comment est-ce que l'environnement peut, pour quelqu'un par exemple qui est déficient visuel ou bien qui a des problèmes de cognitifs, comment est-ce que cet environnement peut venir à l'aide finalement pour permettre aux capacités résiduelles de s'exprimer à plein, hein, et de venir compenser des choses. Donc ça, c'est le deuxième type de niveau, qui est l'idée donc d'environnement universel. Hein, bon. Troisième niveau, c'est plutôt lié l'efficacité finalement du travail. Aucun d'entre nous ne souhaite être moyen dans son travail. On souhaite tous être bon dans ce qu'on fait. Hein. On a plus souvent l'impression d'être entravé par l'environnement, alors qu'il s'agisse de l'environnement technique, hein, ou de l'organisation. Hein, on a plus souvent l'impression d'être entravé qu'être aidé. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on a cette volonté en nous d'être le meilleur possible. Hein. Ce n'est pas la peine de le prêcher auprès des gens. Les gens, ils ont envie d'être bons. C'est plutôt l'environnement qui les handicape, du point de vue là. Donc en troisième niveau, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance, justement, pour les personnes, parce que c'est un objectif des personnes aussi, qu'un environnement qui permet ces possibilités. Et le dernier niveau, que j'ai souvent amalgamé au précédent, mais je pense qu'il faut le distinguer, c'est un environnement, l'environnement doit permettre d'apprendre. Doit pas être pas seulement quelque chose qui permette de faire bien ici et maintenant, mais qui permette de se développer. Alors ça, on pourrait dire, bon, ça c'est un objectif louable, sympathique, humaniste, j'espère c'est d'ailleurs, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je crois que les conditions du travail aujourd'hui sont des conditions où on peut plus tabler sur le fait que l'apprentissage va se faire de façon tacite.
dans les systèmes plus stables qu'on a connus il y a 20, 30, 40 ans. On avait des changements de production qui étaient relativement lents, hein, et de technologie qui étaient relativement lents. On n'est plus dans cette situation-là. Les choses évoluent très rapidement. On ne va pas rester dans le même emploi, on ne va pas rester dans la même technologie. Les pressions de la concurrence sur l'entreprise vont s'exercer de façon différente. Donc le monde bouge. De fait, on peut moins tabler dans les entreprises, ce que les entreprises ont beaucoup fait, sur l'apprentissage sur le long terme. C'est donc une dernière dimension sur laquelle je vais conclure sur les environnements capacitants, c'est celle-là. C'est les environnements qui aussi favorisent le développement constant des organisations et des personnes. L'activité, donc, pour moi, est essentiellement créatrice ou empêchée de l'être. Je vais y revenir après. Et au passage, je faisais le lien, je continue à le faire d'ailleurs, qui est un lien compliqué, hein. Je pense qu'il est vraiment compliqué, mais je continue à le faire entre le lien entre créativité et santé. C'est-à-dire que je trouvais aussi dans l'ergonomie, je pense aux travaux que je lisais quand j'étais beaucoup plus jeune de Wissner, et puis aux discussions que j'avais avec les membres du labo qui étaient ici, au 41 Rue Gay-Lussac aussi. Bon, il y avait cette idée qu'au fond, l'ergonomie permettait aux opérateurs, en redécouvrant ce qu'ils faisaient, d'avoir les yeux qui pétillent un peu, quoi, sur, finalement, leur capacité, et au fond, leur permettait de montrer ce dont ils étaient capables, quoi. L'intervention, bon, permettait ça, donner un cadre pour que les gens redécouvrent, quoi. Et même, au passage, remportent quelques victoires sur eux-mêmes à l'occasion de l'intervention, parce qu'ils se mettaient à penser, à voir les choses. Et donc l'ergonomie faisait faire l'expérience aux gens qu'ils étaient plus grands, qu'ils étaient un peu une tête au-dessus d'eux-mêmes, à condition qu'on leur en donne la possibilité. Cette expression est de Vygotsky, hein, qui définit la zone potentielle de développement, qui est un concept très, très, très repéré dans la tradition vygotskienne, quoi. Il l'a défini comme ça, il utilise beaucoup d'images, hein. C'est les situations dans lesquelles les gens sont une tête au-dessus d'eux-mêmes. Parce que la situation dans laquelle on les place, ou ils se placent, leur permet de le faire, quoi. Et je trouvais que l'ergonomie, dans sa pratique, faisait ça, et que la manière de définir l'activité était un peu en deçà de cette création ergonomique, quoi. Mais en venant de la question de la subjectivité, de la psychopathologie du travail, il y avait cette idée que finalement l'ergonomie était très intéressante, elle était très, c'était vraiment une force de rappel, mais l'activité était un peu positive, quoi. Et on voyait mal la question du négatif dans l'activité, c'est-à-dire tout ce qui fait mal, quoi, dans l'activité de travail, tout ce qui abîme les sujets, tout ce qui contrarie la subjectivité. Et de jour, évidemment, par définition, venant de là où il venait, il posait beaucoup ces questions. Et moi, j'ai passé pas mal de temps à ruminer un peu sur tout ça, quoi. Comment rendre compatible, si c'était possible, mais bon, quand on fait de la recherche, on a besoin de se raconter des histoires, hein. Donc je cherchais à rendre compatibles les modèles, c'est un peu ça le métier de chercheur, quoi. En les éprouvant au contact des résultats. Et là, il a bien fallu que je sorte un peu de ce modèle triangulaire, un peu sans le supprimer d'ailleurs, hein. Mais avec l'idée que petit à petit est venu se prendre forme, hein, dans mon travail, que ce qui se fait pas, ça fait partie de l'activité, quoi. Et que ce que les gens font pas, mais qu'ils voudraient faire, et qu'on les empêche de faire, ou éventuellement qu'ils s'empêchent de faire eux-mêmes d'ailleurs, même entre collègues de travail, enfin tout ce qui n'est pas réalisé n'est pas forcément en dehors de l'activité, quoi. Avec cette idée qu'au fond l'activité réalisée n'a pas le monopole de l'activité. Et alors j'en suis venu à cette distinction qui me permettait de me mesurer avec ce qu'avait d'important pour moi les dimensions de la psychopathologie du travail, parce que quand on a un peu l'expérience de l'intervention, quand on est psychologue en plus, ce côté de l'empêchement, quoi, ce côté de la contrariété, ce côté de l'activité avortée, quoi, difficilement contestable, quoi. D'ailleurs, les ergonomes eux-mêmes, ils font avec.
Et c'est même à la limite une partie de leur travail de pouvoir renverser ces situations pour que la création reprenne. Hein. Et donc moi, au plan théorique, je me posais ces questions-là. Et donc j'en suis venu à faire cette distinction, comme ça, qui depuis m'a servi beaucoup et qui a un peu été le repère pour désigner ce que c'est qu'une clinique de l'activité, parce que du coup, au bout d'un moment, j'ai appelé ça clinique de l'activité. Je suis parti de l'activité, mais comme j'avais le souci de l'engagement subjectif, de la mobilisation subjective, mais aussi de l'immobilisation subjective. Et du coup, j'ai essayé de définir un peu une approche qui désignerait assez clairement le fait qu'on ne pouvait pas séparer, mais au contraire, il fallait instruire le conflit entre activité et subjectivité, quoi. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, en tournant en rond, j'ai appelé ça clinique de l'activité. S'agissant de la santé, on est confronté à un autre problème qui est un problème conceptuel. On est confronté à l'émergence de nouvelles notions, de nouveaux concepts qui pêchent par un manque de consensus dans leur définition et donc dans le caractère applicatif de ces définitions. Je vais prendre plusieurs exemples. Les notions de stress, encore que là on a fait des progrès, mais on peut prendre la notion de pénibilité, et puis son versant positif, le bien-être au travail, ou encore le concept de risque psychosocial, qui ne fait absolument pas unanimité du point de vue à la fois de sa définition et de son envergure. Donc une des tâches, me semble-t-il, de l'ergonomie, pour ne pas parler des ergonomes, c'est de réfléchir à ces concepts nouveaux, hein, qui permettent de décrire les situations de travail, la façon dont elles sont vécues par les opérateurs. TMS, c'est un de nos multiples nouveaux acronymes. C'est TMS pour troubles musculosquelettiques. Les troubles musculosquelettiques ont commencé à se manifester, à être reconnus parce qu'ils existent depuis longtemps, surtout à partir des années 80. En fait, les premiers problèmes à être reconnus, c'était le dos. Et les premières études qui ont permis de vraiment les mettre en évidence, c'est entre autres les études japonaises sur les caissières. Il y a eu beaucoup d'études parce que le monde industriel a réalisé que ces problèmes-là étaient réels, que ça créait des problèmes de maintien à l'emploi, que les coûts de compensation étaient très élevés. C'était des problèmes qui étaient faciles à comptabiliser en termes de coûts. Et donc, la demande des milieux industriels pour intervenir sur les TMS est devenue très importante. Mais les troubles musculosquelettiques, c'est l'aboutissement final d'une activité de travail. Si on veut faire de la prévention au niveau des troubles musculosquelettiques, il faut comprendre l'activité, il faut comprendre les déterminants, il faut comprendre comment ça s'insère dans une problématique globale, dans un système, et il faut avoir une approche qui est globale comme dans n'importe quelle problématique. Et toutes les grandes problématiques de l'heure en ergonomie, travail collectif, organisation du travail, facteurs psychosociaux, on les retrouve aussi dans l'univers de ces problématiques-là. Très musculosquelettique veut seulement dire qu'au bout de la ligne, on a mal quelque part. J'entends émotion au sens large. C'est Cosnier qui a parlé des émotions au sens large. Donc ça inclut tout type de mouvement affectif qui va de la peur au sentiment de confiance en passant par un tas d'autres émotions. Mais dans la littérature, ce qu'on va trouver, c'est une différenciation entre des émotions de base, donc des émotions qui sont censées être basiques, universelles, comme la peur, la joie, la colère, la tristesse, la surprise. Et puis des émotions dites complexes, la culpabilité, le sentiment de confiance, le doute, par exemple. Donc ça, on trouve ça communément dans la littérature. Après, chaque auteur va un petit peu utiliser une terminologie différente. Par exemple, Damasio, il va utiliser le terme d'émotion pour ce qui est non conscient, ce qui est très réactif, les émotions qui sont vraiment immédiates et très réflexes. Et il va parler des feelings pour, ou des sentiments en français, pour ce qui est conscient. Donc voilà, après, il y a des variations un petit peu d'un auteur à l'autre. Alors, les modèles, après, il y a différents modèles des émotions. Il y en a qui me semblent, moi, plus ou moins intéressants. Il y a des méthodes, évidemment, qui vont avec ces différents modèles. Alors, par exemple, il y a la théorie de l'appraisal,
guide de l'appraisal, c'est-à-dire de l'évaluation ou de l'estimation, qui est quand même un courant très important. À l'origine, il y avait Arnold et Lazarus. Maintenant, il y a Frigida, Scherer et un tas d'auteurs qui développent cette théorie-là. Alors, ce qu'elle dit, cette théorie, en gros, c'est que les émotions, elles émergent du sens que le sujet construit de la situation. C'est-à-dire, il évalue l'impact de la situation, de travail, d'usage ou autre, par rapport à son bien-être. Donc, il se demande, est-ce que cette situation, elle est menaçante pour moi, ou est-ce qu'elle est négative, ou est-ce qu'elle est plutôt positive, et aussi, est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cette situation présente. Alors, il y a d'autres théories. Ce qui est important, Avril, par exemple, développe le fait que les émotions, c'est aussi une construction sociale. C'est un construit social, il y a un construit social des émotions. Elles sont socialement apprises et il y a une acceptation différente de différentes émotions selon les cultures et selon les milieux. Évidemment, moi j'aime bien prendre l'exemple, par exemple, tout simple, d'un concert. Entre un concert jazz, un concert classique et un concert rock, pensez à la façon dont on va réagir, on va exprimer son enthousiasme. Donc là, ça va être des cultures, des milieux différents. Et donc ce qui est autorisé comme expression de l'enthousiasme pendant un concert va se décliner et va se développer de façon très différente dans ces différents milieux. Bon, c'est un petit exemple. Ensuite, il y a Damasio qui est très important. Quand on parle des émotions maintenant, qui ne pense pas à Damasio, qui est un neurophysiologue et qui a montré des choses intéressantes, notamment sur l'importance des émotions pour la prise de décision. Il a montré que des patients qui étaient cérébro-lésés, qui n'avaient plus trop d'émotions, avaient du mal à prendre des décisions, à faire des choix dans leur vie quotidienne. Donc ils arrivaient encore à avoir les différentes possibilités de choix, mais ils n'arrivaient plus, ce moment de décision était rendu beaucoup plus difficile de par le fait qu'ils n'avaient plus d'émotions. Donc de là, il montre l'importance des émotions dans la prise de décision. Et lui, il a une perspective qui est beaucoup plus centrée sur le corporel, donc il s'intéresse plus aux émotions vraiment réflexes. Et pour lui, il y a un primat du corporel. Alors ça, c'est un grand débat. C'était le débat déjà de James Cannon. Avec certains qui vont dire les émotions, il y a une composante cognitive d'évaluation de la situation. Donc quelque chose de mental qui se passe. On se dit, est-ce que dans cette situation, elle est risquée pour moi ou pas? Et d'autres qui vont beaucoup plus axer les émotions sur leur versant corporel. Et dire, c'est avant tout une réaction corporelle. Et de là, il va y avoir peut-être des pensées qui vont émerger. Donc Damasio est plus sur le corporel. Moi, je serais plus sur des théories telles que la théorie de l'appraisal. Mais après, ça dépend aussi du type d'émotion. Est-ce que c'est des émotions très réflexes ou des émotions, on va dire, plus élaborées, quelque part où le mental et où la réflexion a une part plus importante dans l'élaboration de ces émotions-là. Alors le travail est aussi, bien sûr, un lieu d'émotion. Donc il y a eu en psychologie ergonomique et en ergonomie de nombreuses études sur le stress au travail et sur les risques dits psychosociaux, hein, tout ce qui est burn-out, risque d'isolement au travail, etc. Donc ça fait un lien vraiment entre... c'était surtout stress et santé. Voilà. Mais maintenant, on peut élargir davantage cette notion des émotions et leur rôle dans le travail en le réduisant pas seulement à la notion de stress et à la notion de santé. Moi, j'ai toujours pensé que, tant qu'à parler d'affect, il fallait pouvoir parler plutôt de colère que de souffrance. Ou plutôt, je dirais que la souffrance est un des destins de la colère, quoi. C'est-à-dire que l'activité avortée, rentrée, tout ce qu'on rumine qu'on a sur l'estomac, c'est des choses dont on ne parvient pas à faire quelque chose dans la réalité. Qui sont irréalisés, et donc on rumine, quoi. Mais d'abord, il y a la colère, quoi. Ensuite, il y a la souffrance, parce qu'il y a le désespoir de rien pouvoir faire de ça, y compris dans le monde du travail, dans le syndicalisme tel qu'il est, quoi. Juste un mot sur ce que, moi, je mets derrière le terme de subjectivité, qui est un mot qui peut prêter à plein d'interprétations. Moi, je prends la subjectivité comme la capacité d'être affecté, c'est-à-dire c'est une capacité sensible. C'est ce qui fait que chacun de nous réagit à ce qui se passe, c'est ce qui fait que ce qui arrive au monde nous arrive à nous. Et donc, c'est la dynamique de l'engagement, de l'implication, que ce qui arrive aux copains, aux collègues, aux voisins, aux clients, nous interpelle et qu'on y va, versus... le déficit de subjectivité ou la dégradation de la subjectivité, c'est la désimplication, le retrait, c'est pas mon problème, ce qu'on entend souvent.
Donc c'est une dynamique qui est fondamentale dans le travail, parce que c'est ce qui fait qu'on se lève s'il y a un bruit, parce que la machine tousse, on se lève parce que ça ne va pas, on s'inquiète des choses, on se met en rapport les uns aux autres. C'est ça la subjectivité. Et c'est un enjeu à la fois de la santé, c'est-à-dire être partie prenante des choses, et de l'efficacité, c'est-à-dire se sentir contributeur. L'enjeu du travail, c'est la façon dont il mobilise la subjectivité, et donc la façon dont il développe la subjectivité. C'est-à-dire dont il permet finalement à chacun d'être de plus en plus attentif à des dimensions plus subtiles, plus fines, plus complexes. Versus, au contraire, les désastres du travail, c'est lorsqu'il désimplique, lorsqu'il fait que les gens se retirent, lorsqu'il sature vite et quand il n'arrive plus à se lever. C'est ça l'enjeu, pour moi, de la question de la subjectivité. Elle est très centrale dans le management. Elle est posée, par exemple, sur la question de savoir jusqu'où je me sens concerné par ce qui arrive à mes collaborateurs. Elle est centrale dans toutes les activités de service. Comment, dans le client, dans le patient, je laisse, comment dire, s'exprimer des dimensions qui vont m'affecter, mais quelquefois trop, donc il faut que je sache arrêter. Et pas assez, c'est que je laisse passer. Ce réglage-là, c'est le cœur du métier. Encore faut-il qu'on soit capable de le faire, qu'on ait la santé pour ça, les collectifs pour le soutenir et les dispositifs de management pour les reconnaître. Par exemple, des travaux comme ceux de Grosjean et Van de Werth à l'INRS montrent que dans la relation de service, il y a vraiment un travail émotionnel à faire pour les agents de ces relations de service. Parce qu'ils ont travaillé sur des centres d'appel, ils ont à gérer des émotions des fois un petit peu vives des clients qui sont insatisfaits, qui ne sont pas contents. Et ils doivent gérer aussi leurs propres émotions, non seulement les émotions des clients, mais également leurs propres émotions. Donc ça, c'est vrai pour toute relation de service un peu tendue. Il y a évidemment des émotions à gérer au niveau de l'interaction avec entre les agents et les clients. Donc les émotions ne sont pas seulement liées à la santé, mais aussi, de plus en plus, on le voit, à l'efficacité et à la motivation au travail. Alors il y a un groupe aux États-Unis autour de Hyssen qui a beaucoup travaillé, plutôt en psychologie expérimentale, mais ils ont montré des choses très intéressantes sur le rôle des émotions positives sur la créativité. Ils ont montré par exemple que des personnes qui ont des émotions positives sont plus créatives que des personnes qui ont des émotions plutôt négatives. Il voit aussi des effets sur le raisonnement. Les personnes qui sont plutôt dans une émotion positive ont plus un raisonnement par heuristique, et ceux qui sont dans une émotion négative vont par contre aller plus profond dans leur analyse de la situation, dans leur raisonnement. Damasio, j'en ai parlé, a montré que ça oriente la décision. Donc on voit, ça oriente également les jugements et les évaluations. Ça, c'est quand même très intéressant, des études qui ont montré que quand on est dans une émotion plus positive, on a tendance à évaluer et à juger plus positivement. Et qu'à l'inverse, quand on est dans une émotion plutôt négative, on va avoir un jugement, une évaluation plus négative. Donc on voit là vraiment l'impact au travail, non seulement sur la santé, mais sur vraiment tous les processus d'évaluation, de créativité, de raisonnement de ces émotions. Évidemment, ça oriente aussi les relations sociales. Bon, Hyssen encore a montré pas mal de choses là-dessus. Et sur l'envie de coopérer, ce qui est aussi important dans une situation de travail, évidemment. Donc, l'humeur positive va amener davantage d'ouverture sur les autres, des comportements plus altruistes, plus collaboratifs et plus aidants, si les personnes ne risquent pas de perdre cette émotion positive. Actuellement, on parle de risques psychosociaux, et la majorité des approches en termes de risques psychosociaux, c'est une approche quasi-toxicologique. C'est-à-dire, l'hypothèse, c'est qu'il y a une ambiance pourrie, il y a une mauvaise atmosphère, et que les travailleurs sont frappés aléatoirement par les effets de cette mauvaise atmosphère, comme des travailleurs tomberaient comme des mouches s'il y avait un nuage d'H2S. Quand on prend cette approche, on va essayer de caractériser l'atmosphère. Donc on va faire des questionnaires pour mesurer l'ambiance. On va essayer de détecter les travailleurs qui sont les plus fragiles. On va essayer de soutenir ceux qui commencent à être atteints, comme on mettrait des gens qui ont été atteints par du CO2 dans un caisson hyperbare. Donc on va essayer de traiter l'intoxication de ceux qui sont atteints. Et quand on fait tout ça, on ne parle pas du travail.
Donc l'enjeu pour l'ergonomie, c'est de dire la question des risques psychosociaux, c'est pas une question d'atmosphère, c'est pas une question d'ambiance, c'est pas une question de relation avec le chef, c'est une question qui est liée à la possibilité de faire bien son travail. Et pouvoir prendre son travail à cœur, c'est ça, dit dans un langage populaire, c'est ça, quoi. C'est-à-dire pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait, c'est-à-dire pas seulement dans les objectifs qu'on atteint, mais dans ceux qui nous viennent et qu'on aimerait atteindre, que ça soit défendable à nos propres yeux. Enfin, je pense vraiment que dans le monde d'aujourd'hui, dans les entreprises, c'est en privant les gens de cette possibilité qu'on porte gravement atteinte à leur santé. Fondamentalement, c'est ça. Il faut rentrer un peu dans qu'est-ce que ça veut dire faire bien son travail. Quand un jeune homme ou une jeune femme arrive dans une situation de travail, certains ont la chance d'avoir choisi un travail qui leur correspond, mais beaucoup sont là pour gagner leur vie. Et donc il va y avoir d'une part des objectifs qui sont fixés par l'organisation, qui doivent atteindre, hein, quelque chose à faire. Et puis d'autre part, ils sont là avec leurs propres valeurs, leurs propres motifs, mais ça ne communique pas. Enfin, l'essentiel de leur motivation, c'est qu'il faut nourrir leur famille. Peu à peu, ces travailleurs vont découvrir que la situation, elle n'est pas comme l'organisation le dit. Qu'il y a toute une variabilité, qu'il y a tout un tas de choses qui ne se passent pas comme prévu. Tous ces événements ne sont pas le fait de caractéristiques psychologiques d'individus, mais sont bien des risques professionnels qui concernent le collectif et qu'il faut traiter à un niveau collectif. Et finalement, ce sont des règlements et des problèmes qui concernent l'organisation, donc des décisions d'organisation. Pour que ça sorte, il faut prendre soin de la situation, il faut s'occuper de la variabilité. Et puis peu après, les travailleurs concernés vont découvrir que suivant la manière dont ils font leur travail, surtout suivant la manière dont ils font leur travail dans les situations qui ne sont pas prévues, ça a des conséquences pour d'autres êtres humains. Que je fasse de cette façon, ça facilite ou ça complique la vie du client, ou la vie du collègue qui est en aval à la chaîne, ou la vie du collègue de la maintenance, ou la vie de celui qui va me succéder au poste suivant. Et donc, peu à peu, les travailleurs vont fixer à leur travail d'autres objectifs que ceux que l'organisation a fixés, qui sont des objectifs de travail bien fait, au sens où l'objet, ce n'est pas seulement un objet inanimé, c'est qu'à travers cet objet, ils sont en relation avec d'autres personnes. Et donc, ils vont fixer des objectifs qui consistent à faciliter la relation avec d'autres personnes. Il ne faut pas oublier que ces activités dites collectives ne se développent pas comme ça. Il ne suffit pas que les gens soient ensemble ou que l'organisation prescrive même ses tâches de communication et de coopération pour que ça se passe bien. On peut prendre un exemple. Un collègue que je connais à peine, je peux lui demander de l'information, de l'aide une fois, deux fois, troisième fois, ça ne se passera plus, quoi. Et donc, parallèlement à cette centration sur les activités collectives, c'est développer également une approche sur le collectif de travail. Or, ce sont deux notions à la fois différentes, mais organiquement liées. Il y a articulation collective des activités individuelles sociales. C'est-à-dire que toute activité est toujours sociale. Voilà. Or, même complètement séparée, coincée, etc., il y a toujours, en tout cas, dans le passé et dans l'avenir, il y a du social. Et justement, dans les activités collectives, ben, elles sont toujours décollectivisées par les individus, à la fois parce que ben, ils ont une vie en dehors du collectif, parce que aussi, même dans ce collectif, alors prenons les centrales nucléaires, dans une salle de contrôle de centrales nucléaires, par exemple en situation accidentelle, incidentelle, vous avez l'opérateur aux vapeurs qui court dans un coin, l'opérateur réacteur dans un autre, le superviseur dans un autre, ils se croisent de temps en temps, mais ils ont un même problème à résoudre, mais ils ont chacun des vues finalement à travers leur activité très différente. On va se trouver donc avec deux lots d'objectifs, un lot d'objectifs fixés par l'organisation et un lot d'objectifs qui sont le reflet de la vision du travail bien fait vue par le travailleur. Et dans certaines situations, ces deux types d'objectifs sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines situations à peu près plus rien à voir entre ce que l'organisation considère comme du travail bien fait et ce que les salariés considéraient comme du travail bien fait. Le cas extrême, c'est les centres d'appel. Alors, qu'il y ait des contradictions, c'est une chose, mais ce qui est grave, c'est quand ces contradictions ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas se débattre, ne peuvent pas
discuter dans l'entreprise. Parce que du coup, si on n'a pas dans l'entreprise de discussion sur les critères du travail bien fait, la contradiction va s'intérioriser. C'est à l'intérieur de lui-même que le travailleur va être déchiré par cette contradiction. Et les risques psychosociaux, c'est le résultat de l'intériorisation de conflits sociaux qui n'ont pas lieu. Si on pouvait se dire qu'on n'est pas d'accord sur les objectifs, se dire qu'on n'est pas d'accord sur les critères de qualité, ça ferait une controverse dans l'entreprise. Si on ne peut pas le dire, ça fait un déchirement interne et ça fait des risques d'atteinte à la santé. Donc les risques psychosociaux, c'est toujours une situation où, premièrement, les travailleurs ne peuvent pas faire bien leur travail avec les critères qu'ils ont définis, et deuxièmement, ne peuvent pas, avec leurs collègues, mettre en débat les caractéristiques du travail bien fait pour obtenir des ajustements de l'organisation. Et évidemment, un des moments massifs de cette contradiction, c'est l'évaluation annuelle. Puisque l'évaluation annuelle, d'un côté, vous avez le chef qui a une liste de critères standardisés, et dans la pire des situations, il n'a le droit de mettre très bien qu'à 20% de ses salariés. Et donc il va numériser la performance du salarié. Hein. Il va noter la performance du salarié suivant un certain nombre de critères qui sont faits à l'avance et le faire rentrer dans des cases. Puis de l'autre côté, vous avez le salarié qui essaie désespérément d'expliquer qu'il essaie de donner forme humaine à ce qu'il fait, que les clients, ils ont des demandes qui ne sont pas celles qui sont prévues par l'organisation, qu'il essaie de faciliter la vie des collègues. Mais ça ne rentre pas. Dans un certain nombre de situations, surtout quand les managers ont été choisis pour ne rien connaître au travail des gens qu'ils encadrent, il n'y a aucune discussion possible entre les deux termes. Et donc tout un tas des tentatives de suicide ou des échos de grandes souffrances qu'on a se manifestent juste après l'évaluation annuelle, parce que le travailleur sent que tous ses efforts pour faire bien son travail ne sont en rien reconnus et que même ils sont retenus contre lui. L'idée que le travail n'était vivable que si on pouvait le transformer. Ce qui, du coup, ne rend pas le travail vivable a priori. Hein. C'est la transformation qui le rend vivable. Mais là, il y a un vrai problème. Quoi. Parce que, pour moi, c'est le travail qui est en souffrance. Au sens où la lettre à la poste est en souffrance. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est le travail qui a perdu... dont on ne prend pas soin, quoi. Voilà. Alors, si on ne prend pas soin du travail, évidemment, après, il faut prendre soin des personnes, quoi. Alors, on est dans le care, dans le... Voilà. Je pense qu'on est vraiment à un carrefour très important. Et l'entrée par la souffrance, je pense, a préparé la victimologie. Je ne dis pas qu'elle l'explique. Parce que je pense que c'est souvent à leur corps défendant qu'un certain nombre de problématiques ont finalement abouti au développement de l'ingénierie de la souffrance au travail. Parce que maintenant, il y a une ingénierie de la souffrance au travail. Maintenant, tout est confondu. Souffrance au travail, stress, violence, TMS, parfois en plus. Donc il y a une sorte de catégorie de gestion qui s'est installée avec les risques psychosociaux. Qui est en train de développer avec un business adjacent, j'allais dire, une nouvelle ingénierie dans laquelle, finalement, la souffrance est un dossier comme un autre, quoi. Dans l'organigramme, ça se gère, ça doit se gérer. Je pense que l'entrée dans le problème par la souffrance et non pas par l'activité, comporte un défaut de fabrication qui ouvre la faille. La dégradation de la santé au travail par l'organisation passe par des dérapages organisationnels qui sont propres à la question des décisions d'organisation. Elles induisent un décrochage, mais après une phase de dérèglement de la situation de travail où la personne est installée dans un malaise pas très explicite. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'on a identifié, c'est qu'on s'est aperçu que les gens, à côté de leur activité de production, ils déploient une activité pour raccrocher
à leur situation de travail. Ils vont faire des démarches, ils vont demander des réunions, ils vont chercher à discuter. Donc là, je pense que la santé est plus gravement atteinte que le taux de maladie professionnelle déclaré, si je définis pas santé et absence de maladie comme équivalente. Donc c'est ça l'idée de travail à cœur, hein. C'est tout. Ça veut dire derrière, il y a des conflits sur le travail de qualité. Pour moi, c'est devenu un carrefour de l'analyse du travail et de la transformation nécessaire des situations et de l'entreprise, et des services, hein, bien sûr. Peut-être encore plus, parce que là, c'est encore plus difficile de se reconnaître dans ce qu'on fait dans les services, parce que l'objet du travail est encore moins bien critérisable, si je peux dire. Sinon, en passant par l'élaboration collective. Et ça conduit à un élargissement par rapport à la question de la contribution de l'ergonomie à la question des risques psychosociaux. Effectivement, le message de base qui commence à passer, c'est que les risques psychosociaux ne sont pas liés à la personne, mais trouvent leurs origines dans la situation de travail. Donc là, l'ergonomie est très bien placée pour apporter des explications en quoi la personne est mise dans des compromis intenables, dans des injonctions contradictoires, dans un travail qui n'est pas faisable. La lucidité qui monte sur ces questions d'activité empêchée, voilà. De travail contrarié, de choses ni faites ni à faire, enfin, en tout cas tout ce qui vient empoisonner la vie professionnelle. La lucidité de ça, ça ne peut pas laisser les directions d'entreprise les mains dans les poches, ni même les pouvoirs publics. Hein. Il faut bien faire quelque chose à un moment donné, surtout que ça coûte cher. Et puis, quand ça touche ensuite à des suicides au travail, ça devient un problème social et public très compliqué, quoi. Donc, je pense qu'on assiste actuellement à une tentative de réponse stratégique à ces questions-là par le développement des plans d'action contre les risques psychosociaux, qui sont des machines à guérir, pour parler comme Michel Foucault, qui sont des machines à guérir, mais qui peuvent empoisonner encore plus la situation. Hein. C'est le problème du pansement avec la plaie dessous qui est mal nettoyée, quoi. La question de la santé comme ressource, ça veut dire que la responsabilité de gestion de plus en plus dans les organisations, ça consistera pas simplement à s'inquiéter de savoir si la santé n'est pas atteinte, autrement dit, devoir ne pas la menacer, ce qui est une chose, et qui la relève d'une injonction de la société, c'est une obligation. Mais ça participera aussi de la nécessité propre à l'entreprise de pouvoir développer la ressource que constitue la santé. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que ça veut dire que le calcul de la productivité change complètement de nature. Parce que la ressource, si elle se développe, la productivité ne se calcule pas pareil. Et c'est donc toute une réflexion et une mise en place à la fois des systèmes de gestion au sens de la technologie gestionnaire, donc du contrôle de gestion, qui est un outillage là à penser, et qui ouvre un champ, un front qui est déjà ouvert d'ailleurs, de recherche entre les ergonomes et les sciences de gestion et d'intervention dans les entreprises avec les gestionnaires et les managers, dont l'outillage est la gestion, et donc et dont la responsabilité, par ailleurs, est la production de valeur, à travers l'engagement de la santé, qu'ils doivent mieux comprendre dans la dynamique que ça suppose, et à qui il faut donc donner des moyens de s'y prendre autrement. Il y a une vraie évolution du management comme métier, donc une professionnalisation du management, qui est en jeu à travers l'ergonomie, pas elle seule évidemment, et donc dans des montages pluridisciplinaires, pluri-acteurs, qui sont de vrais enjeux d'évolution du métier dans ses pratiques, dans ses connaissances, dans ses méthodologies. Je crois que ça, c'est vraiment un front d'évolution extrêmement important, qui peut apparaître dans un premier temps comme déplaçant complètement l'ergonomie vers à la fois des populations, les cadres, les managers, qui n'étaient pas des populations cibles du départ, mais qui sont des populations naturelles dès lors qu'on les regarde comme des gens qui travaillent, et pas simplement comme des gens qui font travailler. Donc c'est un déplacement, et en même temps c'est un recentrement justement sur la question commune à tout le monde, c'est la question du travail, en tant que mobilisant la santé, laquelle est comprise comme la capacité d'agir, et pas simplement le fait de ne pas être malade. Donc la responsabilité de développement de la santé, c'est la responsabilité de développer la capacité d'agir,
Et c'est ce qui permet de dire, par exemple, que les atteintes à la santé sont des fautes de gestion. Parce que ce sont des dégradations de la capacité d'agir, donc ce sont des dégradations de la capacité concurrentielle de l'organisation. Ce sont des fautes de gestion et pas simplement des choses condamnables au titre d'une morale ou au titre de ce que la société appelle. Ce sont des choses qui sont, j'allais dire, reprochables ou condamnables du point de vue de la responsabilité même de l'entreprise au regard de ses propres objectifs, de ses propres réalités spontanément, quoi. Ça change complètement le statut de la santé, on va dire, dans les organisations. Classiquement, c'est une contrainte à respecter. De plus en plus, ça devient une ressource à ménager, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Transformer le travail, c'est aller plus loin. C'est analyser le travail à travers cette vision-là. C'est aussi prendre en compte d'autres aspects, comme par exemple le sens que peut avoir le travail pour le travailleur, la signification à la fois, disons, de ce que lui recherche dans le travail, de sa satisfaction à exécuter un travail ou non, etc. Et donc là, l'ergonomie peut contribuer, disons, à changer cette fois-ci le travail. C'est plus une question d'adaptation primaire, disons, du poste de travail en tant que tel, disons, mais ça allait beaucoup plus loin, c'est-à-dire à essayer, disons, de relire le travail en tant que tel, lui donner une autre forme, soit le changer fondamentalement, hein, si c'est possible. Donc là c'est une autre... Je pense que cette vision est beaucoup plus récente, disons, chez les ergonomes. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle semble prendre le pas chez certains ergonomes, hein, qui ne voient l'action ergonomique, disons, ou l'intervention ergonomique que dans la transformation et plus dans l'adaptation. Dans l'intervention, donc dans une action de transformation de la situation de travail, sous des formes très diverses et quelquefois inventées complètement, et qui ne s'appellent pas forcément de la formation, l'ergonome est amené à amener des éléments de réflexion qui tiennent à sa compétence, à ce qu'il a appris, à ses connaissances, etc., qui permettent, me semble-t-il, de faire réfléchir ou d'interroger, au fond, quel est le regard qui est porté sur le travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le travail, ou qu'est-ce qui se passe entre le travail formel et le travail réel? C'est un défaut? C'est quoi? C'est un lieu, c'est une chance? C'est un lieu où va s'inventer quelque chose? Et là, sur cette question-là, toucher, me semble-t-il, à ce qui est le fond de l'ergonomie, et donc à certains moments, déplacer des regards ou montrer qu'on peut regarder les choses autrement ou qu'on peut les prendre autrement et qu'en tout cas, on donne une place différente ou on redonne une place aux différents acteurs comme constructeurs de la situation. Mais l'ergonomie, c'est tout de même focalisé sur des problèmes concrets, des problèmes de travail. Et se dire, ben, on a un problème de travail, eh bien, il faut le... On peut le prendre d'abord de plusieurs façons, et puis essayer de trouver, par l'analyse, par le diagnostic, quelle est la manière la plus adéquate, la plus pertinente pour le prendre. Donc on ne peut pas se passer du terrain. Je souligne en rouge, le terrain, parce que ça a été quand même pour moi, et quelques autres, le moteur de l'avancement des choses. Cette ergonomie de terrain où on va tester et valider constamment avec les utilisateurs finaux dans leur milieu, dans le contexte réel et tout, je pense que ça c'est un point très marquant. Alors, et on sait que ça c'est une caractéristique de l'ergonomie francophone. Ça, il y a de la place pour ça, et non seulement il y a de la place elle est déjà là, elle est déjà occupée, et c'est quelque chose qui va continuer parce qu'il semble difficile de mieux faire autrement. J'ai mis dans mon placard une devise que j'ai empruntée à Marc Bloch, l'historien, vous savez. Je ne saurais pas vous la dire par cœur, mais l'esprit, c'est ça, c'est dire
Quand on, lui, il parle des faits, quand on étudie des faits dans l'histoire, ben, il y a plusieurs façons d'étudier l'histoire, de reconstruire une séquence d'événements. Mais il y en a pas une qui est bonne et forcément l'autre mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est quand il y en a un qui veut faire de sa perspective, il le dit mieux que je vais vous le dire, une patrie. C'est-à-dire quand il y en a un qui est impérialiste, qui a pris une optique pour le faire et qui pense que c'est. Il a tout dit quand il a dit ça. Il dit que c'est normal qu'il y ait des vues différentes et que, bon, ben, chacun. Peut apprendre, voir les autres. Et puis, sur le phénomène lui-même, ben, si on a des aperçus divers, on a aussi une intelligence meilleure de la chose.